Incroyable. Salut YouTube, on est là. On est là, c'est l'avant-dernier vaisseau. C'est le Crystal B à venir sur notre challenge de faire tous les vaisseaux en hard. Sur FTL, Faster Than Light Advanced Edition. Oui, on garde évidemment, eh bien oui, le Stealth C pour la fin. Reste, hein, parce que, incroyable, le Stealth C, ça va être super cringe, méga lol du Malaise TV. Alors, ouais, ouais, regarde donc cette merde dehors. Alors, on y va. Crystal B, donc. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, le Crystal B? Il nous raconte déjà qu'il est dégueulasse. Hein, zut. Il est rouge et immonde, voilà. Sublime. Tellement magique. Il n'a pas d'armes, mais il a de l'âme. Merci, Devorial, qui donne 5000 euros. Oh, incroyable. Toujours pas de réponse de toi pour mon mail. Je devrais peut-être te le renvoyer. Rudy. Rudy. Ah, Rudy. Ce Rudy ou l'autre? Alors désolé, hein, pour répondre au mail, je suis nul. Alors j'en ai reçu et je dois répondre. J'ai reçu des mails même un peu plus perso, je vais y répondre, c'est juré. Juré. Un jour. Concentrons-nous sur cette partie. Le Crystal B commence sans armes. C'est terrible. Il a la vengeance cristal. La vengeance cristalline, elle est si bonne. C'est-à-dire qu'on a 10% de chance d'envoyer Girou chez l'adversaire quand on se fait toucher. Ce qui n'est pas mal. Girou est imbloquable. Nous avons le camouflage de base. Nous avons la téléportation à 4 de base. Oui. La boule magique. Nous avons une maître baie, pas de clone baie. On peut pas tout avoir et on a bien entendu 3 hommes et cristaux. 3 hommes ou femmes d'ailleurs. Des crystal people. Et évidemment avec leur pouvoir particulier, ils ont 125 points de vie au lieu des 100 habituels. Ils se déplacent lentement comme des rocs, mais ils résistent deux fois mieux à l'asphyxie. Et surtout, ils ont un pouvoir spécial qui leur permet, bien entendu, de condamner une salle. La salle où ils se trouvent, pendant une quinzaine de secondes. Ouais. Merci Yorinchi qui se prime également. Alors, Crystal Meth, boule de cristal, cristalline. Très bien. Alors, bon alors il est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un rubis, mais un rubis de chiotte, quoi. Très bien, nous sommes prêts. Nous sommes fin prêts. YouTube, Twitch, tous ensemble, tout le monde debout, là-bas. C'est parti. Ok, donc, force est de constater qu'on n'a pas d'armes et qu'on a juste la Crystal Revenge pour faire du dommage. Donc c'est pas ouf. Évidemment, dans un premier temps, on va jouer full TP. L'avantage d'avoir deux Crystal People, c'est qu'on va pouvoir lockdown les salles deux fois de suite. Donc vraiment défoncer les armes, ce qui est notre priorité. Dans l'idéal, on veut envoyer une troisième Crystal, mais ça, ce sera dépendant évidemment des membres d'équipage qu'on va trouver. On a le Cloak pour éviter la première vague d'armes avant qu'on ait tout défoncé. Il suffit juste que le jeu soit un minimum clément et nous mette pas des Oltan Shield, des cloques et des medbay et des clone bay partout. Sur le premier secteur néanmoins, enfin tout du moins. Ok. Merci Supracine Vocatus pour ce premier Squayo qui sub. Je l'attaque, je veux pas savoir. Y a pas de medbay. C'est beau. Donc, on est là. C'est qui? C'est Meth hein, qui est au pilotage. Donc voilà, on lockdown pour tuer Jackie. On a le cloak. Hein, donc on va étudier. Voilà, c'est en train de partir. Donc on décloak. J'attends la bombe. Tellement magique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un insecte bizarre. Oh merde! Oui, j'interviens. Alors. Ah oui, mais on n'a pas de clone bay. Ah oui, alors pas de clone bay, donc méga plan cul. Oh là là.
Ah oui, alors ça, j'avais pas. C'est un vaisseau très puissant, mais il va falloir de la moule. Parce que oui, pas de clone base, ça veut dire on peut pas tuer ces, les trucs tellement magique. Contrôlés par intelligence artificielle, donc c'est de la full merde. Tellement magique, tellement magique. C'était un mail pro, merci beaucoup Devorial. Mais non, mais fallait pas. Merci pour 5000 euros. Et Doki qui donne 10 000 euros. 10 balles où je remballe. Je vous amène à votre destination, merci pour ces 8 scraps, c'est anecdotique. À la limite, si on peut revendre notre cristal Vengeance direct pour acheter une arme. Mais voilà, on a un système faible, c'est les armes. Le deuxième point coûtera 40. Ensuite, ça reviendra en mode discount. Les cristals résistent à l'asphyxie, oui. Mais vu qu'il n'y a pas de clone bay, ça veut dire que la seule façon d'occasionner du dommage à ce vaisseau, c'est de faire tomber les salles. Et ça veut dire que le dernier point de coque qu'on devra pour le faire exploser fera forcément tomber le ou les cristalmen qui seront à l'intérieur de ce vaisseau. Donc il n'y a pas de solution, on gagne les combats contre les vaisseaux IA sans perdre de mecs. Sauf si on achète une clone bay, mais là on parle du début de jeu. J'aide le civil. Ok. Oui, tu charges le FTL et tu jump, évidemment. La misère sexuelle. Bon, le Heavy Laser 1, c'est une bonne nouvelle. Un seul tir, donc le bouclier s'en charge. La seule préoccupation est donc le missile. Qui est esquivé. On est qu'à 75% d'esquive hein, quand on cloque, donc c'est pas... Ah non, il faut faire tomber le missile avant que... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Mantis et NJ, donc ça va être compliqué. Quoique le NJ va prendre le tarif, s'il y a que, c'est jouable. Il faudra juste faire un switch habile des deux cristaux parce que, évidemment, le Mantis fait beaucoup trop mal. Mais qu'est-ce que c'est que ce Mantis possédé? Oui, parce que c'est Lynn qui avait pris le premier fight, donc non, ça va être too short, too tight. Donc voilà, on est obligé de faire ça. Et la misère sexuelle est absolue. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un NJ, donc ça va réparer les armes. Que l'ATP, eh ben, c'est long. Mais on a récupéré le cloak entre temps. Les lockdowns reviennent, mais on s'en fout parce qu'ils sont deux. Voilà, on va pouvoir re-TP incessamment sous peu. Mais pourquoi il répare pas? C'est fascinant. Comment ça se fait qu'il répare pas? Bon bah d'accord. Ah le NJ avait décidé de retourner au pilotage pour ne pas charger son FTL. Parfait. Une arme. 2 d'essence, 1 missile et 21 de scraps. Est-ce que le vaisseau civil est resté dans les parages? Oui. Nous gagnons de l'argent. Incroyable. Merci beaucoup, tous les subs. Incroyable! Avec ce vaisseau, on voit les 3 pour TP au début. Alors, on peut faire ça. C'est vrai que c'est la technique agressive qui peut gagner. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, le cloak sans pilote, à mon avis, c'est la misère. On peut faire le test tout de suite, d'ailleurs. Le cloak sans pilote nous met à 60% d'esquive. On va forcer la chance. Oh là là, la tempête. Quoi, ben. Tant pis, j'envoie que les deux, mais ouais. Ce qu'il faut faire vite, c'est bien ça le problème. Crazy RNG. Ah putain, personne n'est venu alors que j'ai oublié de lockdown. Et ça, c'est miraculeux. Quand je suis cloque, je l'empêche de charger. Ah ouais, non mais c'est trop long les gars. Enfin, faire mieux que ça. Hein. Je me suis gouré. Je me suis gouré.
Je me suis gouré. C'est bon. 10% d'esquive, on esquive. Ça, c'est le spoiler. Il a dit banco. J'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, moi. J'ai pas le temps de niaiser. Allez. Allez, on y met du cœur. Clodo Lesba. Salut Jules. Et non, ce n'est pas PUBG. Merci Not Yannick qui prime. Allez, ça y est, c'est parti pour le team fight. On va le gagner aisément. Ok. Donc, on remet l'oxygène en ligne. On ouvre les portes. Très bien se passer. TP back. Et on répare la même. Là, finalement, ça fait très peur, mais on a perdu que 3 HP. Vous voyez, très spectaculaire, mais finalement, on s'en sort pas si mal. Incroyable. C'est vrai que le vaisseau, le layout du vaisseau est dégueulasse. Très impressionnant. Vivement la Captain Edition, putain. On a des nébuleuses derrière. On va quand même avancer vers la quête. Ah, j'aurais peut-être dû prendre celui d'avant quand même. Je vais essayer grâce à mon cloaking juste de prendre... Kill ses armes. Alors je pourrais, mais ah oui, mais c'est vrai qu'on a le temps. Je suis con, j'ai le temps. Bon, en fait, c'est débile de pas l'avoir fait. Ils risquent rien, même en TP1. Ce sont des clones. Voilà. Non, mais par pitié, voilà. C'est vrai qu'ils résistent 2 fois à l'asphyxie, donc on peut se permettre ça. C'est bon, on va prendre les marques. Captain Edition, c'est un mod. C'est même, on pourrait dire, un best-of des mods. Très populaire, ça rajoute beaucoup de choses et c'est très dur. Encore plus dur, bien plus dur que le jeu de base en hard. En gros, c'est beaucoup de plaisir. Tellement magique. Nitrico dit 5000 euros, j'ai beaucoup apprécié le cuphead d'hier. C'était bien chiant comme j'aime. Oui, merci. Il est cool, hein, Capel. Allez. Putain, mais qu'est-ce que c'est long. Crystal Revenge pour le tuer, putain, quelle ambiance. Ah ouais, j'aurais vraiment dû farmer plus. Quoique, on va faire tout ce tour-là et en fait, ce sera bon. Un mec au moteur. J'ai pas le temps de niaiser, moi. Faut qu'on trouve un shop. On n'en aura pas là. Faudra trouver un shop au début. J'aide. Pas de medbay. Un drone. Un drone combat 1, c'est pas bien. Mmh.
Ah, c'est pas mal parce que ce drone là on le pète en 2 secondes. Du coup il va réouvrir des drones mais ils peuvent pas rentrer tout de suite. On va essayer de bien enchaîner avec Lynn. What? C'est que ce plan cul. On allait taper le drone et le drone maintenant il est plus down. J'ai pas lock. Ah, j'ai oublié de relock derrière. On était en train de discuter. Oh là là, mais. Oh, je suis déjà fatigué. Ah, je pense pas qu'on va faire le stealth C, hein, du coup. Bon, écoutez, vous inquiétez pas. On fait le bilan calmement. Je pourrais envoyer les 3, mais on va essayer de sauver les meubles, comme on dit. Hein? Hein? Mais la TP, mais... Ok, on maîtrise. Mais putain, mais sérieux. Téléporteur. Oh, Manuel Ferraras. Incroyable, un Rockman, c'est notre pilote. Putain, c'est Yves Rocher. Non, c'est Nadia. Comme un rack. Ah là là, c'est galère, madame, mais on va s'en sortir. Et on est à 21 HP, c'est acceptable, hein. C'est terriblement chiant, mais c'est ok. C'est un Rockman baston. Ah, j'avoue. C'est-à-dire que si on récupère quelqu'un d'autre derrière, on a notre squad de 4 pour aller casser des culs. On pourrait même se demander si on pourrait pas laisser Meth au pilotage, mais... C'est presque du gâchis. Ah, j'ai pas réparé le camouflage. C'est bon, calmez-vous. 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 C'est du Kyrian. Délétère, si tu commences le jeu. Ah, tu vas vivre des aventures extraordinaires pour quelques centaines d'heures. C'est le meilleur jeu du monde. Alors que deuxième quête. Eh, mais c'est tendu, madame. Est-ce qu'il y a un monde où on fait les deux quêtes? Je pense pas, hein. Non. Non, cette quête déjà.
on me répare un magasin. Ok, le burst laser 1 est super glamour. Et on a des membres d'équipage. Alors il y a le mantis évidemment pour casser le cul à outrance. Alexis, t'es sur une nébuleuse, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut tenter le dive. Ah mais je vais pas vraiment m'amuser, j'ai pas envie de faire double dive quoi. Là en passant, en étant passé par la quête d'abord, je pense que je l'ai dans le fion quand même pour aller valider la quête. Ah oui non, ça a trop avancé. Parce que c'est quand je vais là, ensuite en allant de là à là, ça y est, avance là, en allant de là à la quête, ça avance là, en allant de la quête au point de merde. Ah si, j'ai peut-être la nébuleuse. Ah bah si, je peux tout faire. Moi, est-ce que je prends ce Burst Laser 1? Burst Laser 1, il me permet, pour en tout cas les deux premiers secteurs, de me battre contre des Zoltans et me battre contre des vaisseaux IA. Donc je pense que je dois le prendre. Je peux pas encore le mettre en ligne. Ça pique. Bonjour. Ah, il essaye à tout prix d'aller dans l'autre salle, donc du coup il se bat pas, du coup il se victimise gratos. J'aime. J'aime ce... Yonpulse. J'ai le cloak. Restons calmes. Ah, le timing parfait, évidemment, de gros connard. Et l'autre, il essaye toujours d'ouvrir la porte. Il est bien, hein. Il se met bien. Ok, bon, il est où le sbire? Oh non, j'aurais du cloak direct, je suis trop con. Vu que c'était le seul tir qu'il allait passer, c'est pas grave. Ah, vu qu'il y a le danger, on charge pas automatiquement, c'est chiant. Donc je dois attendre pour ma TP, je dois attendre pour tout. Ah, et là, la TP est down. Si on me laisse TP quand même. Formidable. C'est assez pour mettre mon burst laser, mais on est en danger donc je ne peux. Je ne pouve. Salut à tout à fait. Oh là là, 46 ans pour Crook CH. Incroyable, merci. 17 ans, Panda. Des missiles pour un descend. J'ai pas besoin de missiles, mais c'est tellement peu cher. On sait jamais si on a l'event, on peut vendre des missiles. Ah non, je l'ai dans le cul. Je l'ai dans le cul, madame la marquise. Ah! Sacré quête! Bon, vu qu'on a 3 Crystal Men, on s'en fout de la mettre baie. True story. Oh, y en a un qui a eu le temps de rentrer, mais me dis pas que ma... Mais pourquoi ma vie c'est de la merde? Ah, c'est des alliés, la batterie est alliée. Ah ça c'est, voilà, donc il y avait quand même un... Ok, donc c'est eux qui vont se faire trouver. Missile, flak, balance ton flak. Merci. Ah non. Tellement magique. Elle est douloureuse.
Oh, c'est eux qui se sont fait ouvrir le fion. Et du coup, ils vont mourir. Oh là là, mais là, l'ironie. L'ironie est palpable. Oh, c'est un miracle. C'est un miracle que ce soit Lin qui prend le fight. Prenne le fight. Il n'y a plus d'armes, c'est bon. Il n'y a plus de mecs, a priori. Faut juste par pitié. Faut pas que le ta... Il n'y a plus d'oxygène. Nice. C'était chaud, hein. Ouh. Incroyable. Ah bah la SB est l'allié, hein. Pas si ouf pour le combat que c'était. On n'a pas perdu tant de vie, on gagne. Pourquoi j'ai vu le miss de mon côté? Ça fait très peur. C'est, oui, c'est bien ça. Non, mais ça miss que... C'est mes alliés. Suis maintenant. Donc oui, non, on va garder le... Bah non, on va pas garder le roi de pilote. Donc c'est formidable. Robot chiotte et pilote. Hein, il ne choisira pas son destin. Et maintenant, on a une vraie team de tueurs. Et on peut... Ah bah oui, vu que c'est des alliés, on peut mettre notre burst... Ah mais alors, et le drame donc, c'est qu'en effet, on est baisé. Donc autant faire celui-là, vu qu'on a le temps. Et ensuite, on va faire deux sauts de la misère sexuelle. Mais au moins, ça sera dans les nébuleuses, donc il n'y aura pas d'ASB. Si peu de réacteurs pour charger les... Mais bon, on a un cloak. Donc, go là. Sido et long sanglot, 15 000 euros. Incroyable. Et Taipone, 20 ans. Possibilité de double récompense, il y a un hacking. Des drones de partout, le hacking... Je suis obligé d'attendre. Les caméras? La Medbay? Medbay, c'est moins glamour. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'on va. Petites ambiances. Par contre, c'est chiant, c'est le rock qui est dans les armes. Donc on va pas pouvoir lockdown les armes. Les deux tirs ont été lâchés là? Dans le doute. Oui. C'est les mêmes armes, donc il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Ok, donc ça focus sur les armes, on va aller dans les shields pour attirer l'attention de ce sbire. On va avoir une esquive à faire sans cloak. Et non, même pas! Oh là là, sublime! Oh là là, oui! J'aime ce scénario. Petite clone bay quand même, serait pas de refus. Hein. On se met une clone bay 3. ASB c'est anti-chip batterie, oui. Ou DCA, interplanétaire. Je sais pas. On se comprend quoi. Incroyable! Et le level up en baston, tout à fait. Tellement magique, tellement romantique. Et de 20 000 euros encore de Roland Sanglot qui obtient le nouveau badge. Le badge de sbire rose. Incroyable. Merci beaucoup. Donc, ah, et on peut même... Non, là c'est débile. On va juste prendre ça. Reconstructif téléport, sinon tout à fait. Reconstructif téléport et clone bay.
pas, oui, des CV. Oui. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Putain, on va avoir un équipage sympathique. Il n'y a qu'un Heavy Laser. Il y a peut-être un boarding, un drone de défense. Il n'a pas l'air de m'envoyer du monde. L'arme, donc, ne sera pas un problème. On va partir sur une agression dans la grande salle. On va faire un lockdown juste pour s'amuser. Défoncer les drones comme il se doit s'il y a un défense drone. Quoique non, il aurait spawné là, d'accord, il n'y a rien. Il y avait juste le défense drone. Là, l'idée, c'est juste... Bon, on va les empêcher d'aller à Medbay. On va espérer qu'un maximum de... Oh, c'est beaucoup! Tellement magique! C'est beaucoup de Mantis et un Rock. Ah mais putain, ouais, le Crystal Man en plus fait la différence, on est en train de gagner le teamfight. Quoique, on a Barthes qui est mal, mais on peut switch à n'importe quel moment, c'est ce qu'on va faire. On va switcher Barthes et Meth. Non, Lynn, bien sûr, Barthes c'est chez eux, je me disais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai appelé un mec Barthes? Aucun sens. Paf! Allez... Tire. Ah oui, c'est vrai que j'ai une arme. Ne vous inquiétez pas. On aurait pu défoncer la Medbay, mais je savais qu'ils allaient pas aller à la Medbay. Oui, oui. Fatigué, hein. Ça va prendre du temps pour se mettre en phase, le temps que le café fasse son effet. Okay. C'est le moment qu'on redoute tous. Tout à fait. Date tempête de yon. Oui. Ok. Tellement oh là là, les sbires sont là. En fait, j'ai besoin de ça. Le problème, c'est qu'il va sûrement me mettre deux shields en place dès que... On va toucher aux armes. Quoique non, s'il a qu'un burst. On va voir. Je voulais garder pour la Medbay, mais... Good job, guys. Bon, c'est une bataille à HP, hein, c'est ça la grosse déprime du truc, mais bon. Tout seul, Jackie? Bonjour. Eh oui, hélas. À part des niveaux en baston, c'est pas worse, mais bon. Ça nous a permis de faire les sauts avant. Des gens qui croient à la fin de Dust. Mais si, c'est imminent. Certeras. Ah bah non. Comment dire, le jeu en hard, c'est faisable. Ce qu'on faisait à l'époque, c'était du no pause. On l'a fait sur 2-3 vaisseaux. Mais je pense pas que je me lancerai dans ce délire-là, hein, à nouveau. What? On peut aller là? Ah ouais! Ah ouais! Et s'il y a un truc, on va peut-être pouvoir remettre en esquive. Ah ouais! C'est gratuit! Formidable. Tellement magique! Mon dieu! Alors que Doegeek, choqué de voir Dorelon Langlo mettre de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une avalanche de pognon!
Merci Serbit et Trakfou qui subprime. Merci Poyo Sama qui donne 10 000 euros. Sbouizbouizboui. Y'a Sama, resub depuis 19 ans. Ney m'a donné 5 000 euros. Dracoé. Asub et Dogeek donne 100 000 euros. C'est la fête, c'est FTL, je crois en toi. Incroyable. Putain, FTL, le jeu e-sport, le jeu du pognon sur Twitch. Unbelievable. Merci beaucoup. Donc voilà, le fameux vaisseau. Oh non, il essaie de s'en aller. Paglop. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer dans le pilotage. Ah oui, mais non. Non. Ah oui, non. Il faut que j'en envoie que deux. Calme-toi. On envoie que deux, sinon c'est le drame. Ok, donc on va mettre Mess dans les armes. Nadia dans les... Enfin, Mess dans les piliers de Nadia dans les armes. Dans les moteurs, putain. On veut flinguer le pilotage, donc. Si il me tabasse la TP, c'est cocasse. Hein. Mais on va cloak. Donc tout va bien. Ok, ça c'est fait. Très bien. Défonce ça. Ça c'est bon. Puis ça sera ça pour être sûr qu'il ne s'enfuit pas. Merci. Toi au bercail. Into the medbay. Voilà, c'est toi. Ni nan ni. Eh ben écoutez, ça se passe pas si mal, hein. Je vous le dis, hein, ce vaisseau, c'est de la PLS au début, mais ensuite, tout peut bien s'enchaîner. Sortons du secteur, hein, déjà. J'espère que je vais me faire des couilles en or avec ce petit fight. Ah, magnifique, pas de buffer. C'est confortable. Oula, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout non plus. Mais on a le cloak. C'est beau un monde qui joue. Très bien. Alors. J'y crois, moi. 32, c'est l'esquive en plus. Au détriment de l'énergie. Au détriment des shields. C'est jamais perdu l'esquive. On pourra sacrifier l'oxygène pour le combat à venir. Mais il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas d'ASB. Ils sont considérés comme dedans. C'est qui? C'est Lynn. Lynn, elle est là. Lynn, elle est présente. Allez! Tu vas te faire victimiser? Et ça, c'est fait. Into, je vais tout casser. Into, il n'y a plus de heavy laser. Into, j'esquive le missile. Into, j'ai oublié de lockdown, donc je me tape des randoms. Into, je tape sur mes mecs parce que, après tout. Mais je peux pas parce qu'il y a deux boucliers, parce que je suis amnésique. Into, ça part en couille, mec. Into, ils sont morts. Jolo, les barres. Très bien. Allez. Tout va bien se passer. Les NG ou les Lanus? Alors les Lanus, on a des Crystalmen, mine de rien. Les Lanus de premier ordre, ça va.
mais on a peut-être envie d'un shop pour avoir des armes. Mais on fait presque jamais de secteur abandonné, et les secteurs abandonnés, ils sont jouables en early game. Et vu qu'on a des Crystal Men qui résistent à l'asphyxie et un Rock qui a 150 points de vie... Allez ! Petit secteur... Oui, alors par contre, c'est dommage, on a loupé toute la phase de secteur vert. Trop d'événements de merde chez Elanius. Ah. Parce que là, on a un secteur vert, ensuite il est là. Notre unique secteur vert qui, ça se trouve, sera un Zoltan dégueulasse. Ah, et j'ai un robot chiotte. Ah oui, on va pas faire la même erreur que la dernière fois. J'ai robot chiotte, on va chez NG. Allez. Et puis on veut le secteur vert, bien sûr. Store, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Tellement magique. Mais qu'est-ce qu'il a ? Oui, qui redonne 100 000 balles. J'ai prouvé ma aspiration avec ce nouveau badge. Comment je fais pour être modo ? Alors écoute, Doggy, il suffit de renouveler l'opération 100 fois et tu rentres dans une tombola qui te permet d'avoir ton nom en ballotage défavorable lors de la prochaine réunion des modérateurs qui décideront évidemment de ton potentiel de modération. Merci beaucoup, Doggy. Incroyable. Allez, je leur donne les missiles, bien sûr, j'en ai pas besoin. La tombola de la baie, c'est ça. Shagohot, qui subprime, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un guet-apens de magasin. Ils arrivent trop tôt. Ils arrivent. Très bien. Ouais, ok, je m'en branle, ouais. Okay, ouais. Tellement magique. En effet. Très bien. On va juste prendre de l'énergie d'ailleurs, je crois. Non. On va juste continuer notre chemin donc. Clone Bay, mais j'ai pas l'argent. Ah si, en vendant le Crystal Revenge. J'ai joui dans moi. Désolé, j'ai joui dans moi. Alors que pendant cela, une pluie d'argent tombe sur ce stream. Thibaut from France qui donne 15 000 euros. Tu l'as pas vu la nuit dernière. Alors je le redis, j'aurais pas tenu ma thèse sans tes streams pour me remonter le moral. Merci pour tout mille fois. Merci à toi, Thibaut. Et Neymat qui redonne 5 000 balles. Voici, je vais dans Tobola de la baisse. Alors que le burst laser de tombe, gratuit, moins cher que gratuit, madame. Ok. Incroyable, j'ai joui dans moi. Ah, c'est beau un monde qui joue quand même. Alors golf, oui, j'ai même pas parlé du golf. Pourquoi on fait pas de golf? Pourquoi on fait pas de FF12? Oui, si vous voulez, oui. Et j'ai acheté... Ah oui, alors, hommage aux gens qui travaillent chez Micromania. C'est difficile de travailler chez Micromania. Ah d'ailleurs, faut que je réponde à quelqu'un. C'est peut-être lui, Rudy. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en mode « Ouais, je te mets une SS Mini de côté, t'es MTC. » Faut que je te réponde. Mais donc, j'ai voulu acheter une PS4 Pro parce que j'ai envie d'être un vrai gamer. Et puis, c'est des frais de société. Donc, ouais, alors là, il faut que je vous parle, madame. Il faut que je vous parle, madame. Donc, oh là là, si le stream ne plante pas... Allô ? Attendez, madame. J'ai mal au crâne. Oui, donc, madame. Je suis allé, donc, chez Micromania. Et dans mon Micromania, je dis, bon, bah voilà, madame. Parce que c'était une dame, comme vous. Et donc, je dis, bah oui, j'aimerais une PS4 Pro. On y va. Est-ce que vous, est-ce que je peux l'acheter déjà nu, c'est-à-dire sans Destiny 2 dont je me tape le fion? Oui, ok, là. Très bien. Et ensuite, elle va faire sa live pendant 2 minutes. Puis là, je me dis, ouais, c'est bizarre quand même. Donc, elle a cru que je prenais juste le renseignement. Donc là, je retourne la voir. Je lui dis, non, je crois qu'il y a à méprendre. Bien sûr, je veux vraiment l'acheter. Elle me dit, oui, ok, c'est formidable, j'y vais, je vais la chercher. Et là, elle revient et elle me dit, non, désolé, il en reste que une ou deux, et quand il y en a moins que trois,
je peux pas les vendre. Alors là, je lui dis, mais... comment dire? Et je lui dis, c'est ça votre métier, madame? C'est ça que vous faites? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais au Leclerc qui est juste en face. J'achète une PS4 Pro. Je reviens avec ma PS4 Pro sous le bras. Il fait, ah oui, je vais prendre le FF12, là, là-bas. Celui-là, tu l'as? Et puis, c'est bon, j'ai pris mon FF12. Donc, c'était rigolo. Alors, attendez. Et voilà. Et donc j'ai une PS4. Ah, j'arrive pas à sortir du sac. Ouais. Ah, au secours. La boule magique. Donc c'est bon. Regardez madame, cette console, c'est le mauvais côté. Voilà. C'est une PS4 de type pro. Et donc ça va nous permettre de jouer avec Tigrebois en 240 FPS. Donc vu que vous savez, quand vous installez un jeu sur PlayStation 4, il faut qu'il télécharge des patchs et des mises à jour de 25 gigas avec une vitesse d'environ 0,2 mégasecondes grâce au serveur PlayStation, je me suis dit ce soir ça va être un petit peu short pour le golf. Mais voilà. Bientôt le retour de Tigrebois, évidemment. D'autant plus que nous sommes en négociation avec la Atomium Télévision, qui semble-t-il voudrait défier Tigrebois. Donc bien entendu, nous acceptons le challenge anytime. L'histoire évidemment se souvient du 10-2 infligé à la Atomium Télévision sur Street Fighter 4 en prenant des personnages random. Les deux combats perdus d'ailleurs étaient avec Guy Degrenne et Guy Marchand. Nous attendons, nous sommes là, on tient, on est solide sur nos appuis. Voilà. Alors. Très bien. Alors. Emmanuel Ferrat, faut qu'on se mette d'accord en fait. Faut qu'on se mette sur le même niveau de golfeur pour qu'il n'y ait pas trop de désavantages de niveau de personnage. Mais d'abord le stealth C, bien sûr. Alors. Toujours, hein, le stealth C avant tout. Le micro se fait la malle. Très bien. Tout tient. Tout mon setup. C'est un setup qui s'enrichit hein, de minute en minute. C'est grâce à tous vos bits. Mais tout ne tient qu'à un fil. Hein, incroyable. Les vis sont trop courtes. Il fait trop chaud. Les disques durs fondent un par un. C'est incroyable. Si Dorélon Anglo qui avait redonné 5000 euros entre temps. Et merci Onikichi qui a ce prime. Allez! On y retourne, on retourne aux affaires. On a donc investi dans l'esquive et dans l'énergie. Nous, on a un Burst Laser 2 totalement mérité. Est-ce qu'on a envie de rusher cette quête et de cut the bullshit? Le problème, c'est que quand on va chercher cette quête, on n'a plus rien à faire après. Donc on va peut-être... peut-être faire un peu de bullshit. Ah oui, le FF12, oui, donc le FF12 version Zodiac, c'est-à-dire c'est une version qui était sortie qu'au Japon, je crois, ou c'est l'international. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un échiquier qui était beaucoup plus simple que le sphérié de FF10, etc., on a du coup une roue de métier à la FF5. Ça a l'air complètement débilos. Mais et il paraît surtout que la bande-son, enfin en plus le jeu est reskiné, et la bande-son également a été améliorée et supervisée par Hitoshi Sakimoto, le compositeur lui-même a appris Romy joue au jeu. Sachant que j'adore le travail d'Itachi Sakimoto, Final Fantasy XII, Ogre Battle, Gradius V, Tactics Ogre, Vandal Arts, non, Vagrant Story, entre autres. Allez. Ah oui, mais non, mais si, ah non, ok. Je suis pas sûr qu'on va tirer, en fait. Parce que si on tire... Ah mais non, j'aurais dû les laisser venir plutôt que tuer les armes, bon, c'est pas grave. Non mais c'est parce que si on défonce le bouclier, en fait c'est dramatique ce qui va se passer. C'est un attentat. Voilà. Et on va laisser l'histoire faire ce qu'elle a à faire. C'est quand je joue à Gradius 5? Vous savez que j'ai une PS2 là dans le coin, ma PS2 Slim argentée. Alors j'ai déjà raconté cette histoire absolument inintéressante que j'ai gagnée sur TF1 pendant le Grand Prix de Formule 1. C'était les débuts des concours où ils s'étaient dit « Ouais, il faut qu'on se mette à Internet. » Alors ces idiots vous permettaient
de jouer sur internet au jeu pole position alors que ça leur empêchait de... Eh oui, parce que si vous jouiez sur internet, vous ne pouviez appeler le numéro surtaxé. Et donc, j'ai joué sur internet, donc c'était Fernando Alonso à l'époque qu'il fallait répondre. Et en fait, vous répondiez sur internet et vous pouviez refresh comme des mongolos. Donc je suis entré dans le jeu environ 270 fois. Et j'ai gagné la PS2 Slim avec Formula One, je sais pas combien. Et donc j'ai Gradius 5 sur PS2. Mais capturer la PS2, ça va être un peu chiant. Quoique j'ai mon Framemaster, tout ce matos dont on ne sert pas. Bref. Alors. Mais évidemment que je triche. Merci Super Maurice 42 qui prime. Oui, non, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas besoin de compte MyTF1, MonsBi, MonsBou. Donc trop facile. Trop facile de hacker TF1. Oui, je combats. Pourquoi je vais dans le shield? Certainement pas dans le shield. Ah mais du coup ils sont occupés, s'amusent. Belle ambiance ici dans le vaisseau Slug. Même pas Slug d'ailleurs, n'importe quoi. Vaisseau pirate. Oh mon dieu! Pourquoi il n'y a plus de shield? Qui a cru que c'était une bonne idée d'enlever les shields pour on dit... Eh parce que les Zoltans étaient dedans! Putain vite, barrez-vous! Barrez-vous, con de mime! Au secours! Très bien. Je regarde la F1, non, je regarde plus du tout. Et à l'époque, je laissais ça en fond. Genre j'avais mon PC là, la télé là, et des fois je mettais la F1. Mais vite fait. Je regarde quasi rien à la télé. Hein. Et puis là, vraiment, à part Koh-Lanta pour le LOL et encore je regarde le pilote à chaque fois. Je ne regarde vraiment pas la télévision depuis très longtemps. Peut-être la faire cette quête. On a peut-être mieux à faire qu'à aller chercher cette quête, quoique. Je sais pas. J'accepte votre offre. Alors ce sont les NJ évidemment qui nous disent oui, nous voulons nous abandonnons, nous capitulons. Il faut accepter parce que si on leur dit qu'on est leur pote, des fois ils vous disent mais merci. Donc non, voilà, merci, raboule la thune, j'ai compris maintenant. Alors que l'appel de détresse... J'ai le temps de faire tout ça? On va dire que oui. Pourquoi j'ai pas investi? Parce que là, on a envie, évidemment, de mettre notre burst laser. J'ai pas de clone bay, donc on ne va pas faire l'even des mozits. Araignées géantes. Oui, j'ai le temps. Ah oui, les deuxièmes boucliers. Le deuxième bouclier aussi, hein, ça serait pas dégueulasse. On va faire le point à la fin de ce secteur. Oui, je peux vous aider à déboguer. Mon NJ peut aider à déboguer. Ah non. Ah d'accord, c'est le mantis qui croit qu'il croit être humain. Mais sans mantis ni humain, ou sans autre chose, clone bay ou je sais pas. Non. Je pense qu'il faut pas... Et bah oui, non, faut pas le faire. Faut pas le faire, on peut pas le faire. C'est dégueulasse. Merci Zoe qui se prime. Et on m'upgrade mon réacteur. Vous arrivez et le vaisseau que vous escortiez arrive derrière vous. Merci de votre aide. Nous travaillons à une usine évidemment proche. Et donc nous allons augmenter votre réacteur en forme de compensation. Merci. Alors que derrière la détresse. Je vous ai déjà parlé de Rosanna. On a les 50, hein. Je pourrais mettre le deuxième bouclier en ligne maintenant. Nous arrivons sur une station de recherche NJ. Son appel de détresse n'a reçu aucune réponse. Ils ont sûrement été attaqués par des pirates ou des mantis. Et il y a peut-être quelqu'un de vivant à bord ou quelque chose de valeur. Allez, il n'y a rien. Super. Il est un peu nulos, putain. Mais si seulement j'ai eu de quoi faire les events en vrai.
Oui, oui, un petit vaisseau rebelle, casser le cul. Il a pas de medbay. Il cherche son FTL. Il cherche son FTL. Eh bien, moi, je charge, tout court. On va espérer de capter leur attention. Voilà, évidemment, le mec du pilotage fait « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Je vais aller voir ce qui se passe, ça a l'air chaud quand même. Très bien. Et au pire, maintenant, on peut faire ça. Bien sûr, ce qu'on va faire. Alors. Voilà qui est fait. Il y en a deux hein, qui arrivent. Et ben on vous attend les gars. Merci Dinonos qui se... Bienvenue. Bienvenue au nouveau. Ça alors, déjà un deuxième robot chiotte. Il faudra un petit peu plus de variété. On aurait bien aimé un petit Zoltan. Ça fait longtemps un petit Zoltan. Bon en tout cas il va dans les moteurs. Et c'est très bien. C'est capital hein, d'avoir des un pilote et quelqu'un dans les moteurs qui level up assez vite. Dès le début de la partie pour qu'il soit maître à la fin. La boule magique. La boule magique. Merci Onikishi. Bienvenue. Secteur 2 ou 3, fin de secteur 2. Pour aller faire le store, on ne va pas le faire. Des rocs ou des mantis. Des mantis. Quoique j'ai un rock. Les missiles, on a le camouflage. Avec un cloak, je peux store. C'est vrai que je peux faire le magasin avec le cloak. Pourquoi boule éline ? La boule de cristal est cristalline, elle est si bonne. On va faire rock. Je vais pas faire le magasin. J'ai burst laser à 2 et 1. J'ai le cloak et la TP. Là, c'est pas l'urgence de ce vaisseau, c'est surtout d'avoir des armes et d'être up. La boule magique. Ça me fait chier le distress parce que si c'est un truc qu'on doit dépenser de la thune... Je pense que je mets le deuxième bouclier quand même. Allez, better safe than sorry. Merci Etimosh. Jerem Kay. Encore les alliés putain. Faut que j'achète une clone bay. Et le magasin, ma vie, c'est de la merde. J'ai mon cristal vengeance à vendre, mais rien d'autre dans les sous, dans la cale. Ouais. Non. Avance. La boule magique. Oui, Nadia a annoncé ce comeback. Yobber qui subprime. Incroyable, tous ces subprimes. Et on va attaquer l'esclavagiste et on va encore nous proposer un membre d'équipage. Un Zoltan, espérons-le. Alors que ça veut TP, alors que ça veut faire les oufs. Ils ont que ça? Ah du coup si je TP le shield, j'essaie de faire une OPA où je bloque la TP adverse, c'est gagné. Et du coup c'est du cassage de cul gratos, c'est pour Bibi. Vous ne vous soignerez pas, you shall not heal. On tabasse un peu le shield pour l'anecdote. On garde notre dernier lockdown pour les gens qui arrivent bien sûr. T'es seul? Y'a que lui? Ah non, on s'en va pas par contre. Hors de question de s'en aller, bien sûr. Oh, y'a pas de Zoltan! Il est où le Zoltan? Je crois qu'en plus, je vais avoir du scrap avec ça. On va prendre le Mantis, j'imagine. Et on va peut-être laisser le Rockman faire autre chose. Voilà, oh là là. Ah, quoique le Mantis est bon aux armes. Est-ce qu'on en est là? C'est pas déconnant. En plus, il sera au milieu du vaisseau, il pourra assist en cas de galère. Allez, c'est pas déconnant. Vu le bizarre. Oui. C'est Magmaros, en fait. Ça se déroule bien, hein. Crystal B, c'est fort.
Bon, là, l'objectif, ça va être clairement, je pense, de mettre le burst laser en ligne, même si c'est surtout dans... Ouais. C'est surtout pour une rencontre, comment dire, très défavorable, Zoltan ou autre. Parce qu'en vrai, là, notre équipe de TP, elle est à la bien. À la bien cousin. J'aurais pu mettre le... Ouais. Comment ça? Pas de... Alors que pas de medbay, pas de clone bay, un bouclier. Alors là, la question, c'est non. On veut quand même un peu... On veut faire tomber un des deux. Et voilà, et ensuite, on fait plus de lockdown maintenant, parce qu'évidemment qu'on veut leur casser le cul au plus vite. Oh, c'est agressif. Oh, c'est efficace. C'est efficace, madame. Voilà, venez. Allez, venez, faut qu'on en finisse vite, parce qu'on n'a pas envie d'avoir deux vagues de Solar Flare non plus. Est-ce que ça charge... Est-ce que si on cloque pendant le Solar Flare, c'est mieux? Alors que la Small Bomb, c'est moins cher que la fille. Absolument pas. Mais le feu s'est placé idéalement. C'est bon de le constater, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bonbon. Alors qu'un magasin, eh bien si on faisait les petits BTR. Oui. Évidemment qu'il n'y a rien. Évidemment que je vais me faire full baiser sur ces sauts de la gourmandise. Ah, quoique. Oula! Oh, le petit cloaking qui fait pas plaisir. Ça fait. Oh! Ouh! Ouh! Très bien! Ah, petit cloaking cependant. Poncho! Ah, ils vont essayer de venir chez moi, mais j'ai mon Mantis. Hein, donc. Fuck you, fuck them all, comme le disait. Comme le chantait Vilaine Fermière. Alors que le Burst Laser 2 tombe insta mais est remis en ligne, mais il n'est plus qu'à moitié. Ils échangent, ils n'arrêtent pas d'échanger leurs armes. Du coup, il n'y a aucune arme en ligne, du coup, au lockdown. Incroyable. Incroyable. L'agence tout risque, c'est vraiment la dernière chance. Au dernier moment. Allez, très peu de choix bleus dans cette partie. Hein. Ok, là, on commence un petit peu légère. Et nous ne sommes qu'au secteur 3, c'est pas là que le nerf de la guerre se fait. N'oublie pas que tu peux téléporter avant le cloak. Mais pourquoi? Pour moi, c'est impossible. Genre en faisant la pause molette avant le début du fight, on met la TP, elle se fait. C'est bizarre, j'ai pas ce souvenir là. Vous me le dites. Je vous crois, hein. Store. Hein. Pas tout de suite. On grid. Shadow of War. Ah oui, Shadow of War. Pourquoi tout le monde parle de ce jeu-là? Ah, oh là là, le Slug et le Rock qui s'engueulent. Alors, vu que j'ai un Rockman, est-ce que si je... Non, mais je vais pas payer. Je vais pas payer. Je vais demander au Rock de payer, moi. Et le Rock, il est pas content. Ah non, moi, je paye pas. Alors toi, tu payes peut-être pas, mais moi casser le cul. Of course. Et du coup, il TP pas, et du coup, il n'y a plus de burst laser 2. Mais quel plaisir! C'est d'une gratuité effarante. Du coup, on peut vraiment... on va être tellement peu dépendant des armes qu'on va juste prendre... On va mettre en ligne ce qu'on a. Et le but, au final, ça va juste être de grinder le setup de 3 ou 4 armes le plus débilos possible à la fin. Mais c'est bien, parce que ça va absolument pas être notre priorité. Il est où, Jackie? Mais oui, il y a une clone bay. J'ai fumé du mauvais shit. Très bien. Et voilà, c'est parti, c'est chiant. Voilà. Hmm.
Oui, d'accord. Et voilà, et les slugs, évidemment. Oui, merci de leur avoir cassé le cul et aucune récompense, je déteste les slugs. Je déteste les slugs, partie 68. Formidable. Peut-être faire une petite pause. Pourquoi il lockdown? Pour le zizien. Ni na nou na ni na ni nou ni nou ni nou na. Oui, on en a parlé, Carpastec, du défi contre Atomium. Mais il va regretter, encore une fois. Allez, juste un petit magasin. Qu'est-ce qu'on nous propose? Un Heavy Laser 2, c'est cher. C'est bien, c'est cher, mais on a Burst Laser 2, hein, on va pas se faire chier à acheter ça. Charge laser, combo très relativement avec ce qu'on a. Et on pourrait avoir Burst Laser 2, Burst Laser 1, charge laser et small bomb pour 7. C'est dégueulasse, mais ça marche. C'est vrai. Mais on va pas acheter ça. On va se respecter un petit peu. Alors souvenez-vous du double réversion field. On avait passé des moments de qualité la dernière fois. Des bisous, Eleven. Des bisous, Mitrius. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un papillon de lumière sous les projecteurs. Je sais pas ce qu'il fait là, il traîne depuis tout à l'heure. Double réversion field, c'était des moments de qualité, hein. Mais bon, est-ce qu'on avait vraiment envie de dépenser les 45 tout de suite maintenant? Vendre le Crystal Vengeance. Je vous avoue que le Crystal Vengeance, ça se vend très cher. Tellement magique. Ça se lance quasiment jamais. C'est un peu nulos, hein. Je veux pas prendre le Heavy Laser 2, mais... Non, mais là, c'est pas une arme que je vais acheter, hein. C'est éventuellement le Reversion Field. C'est un pari. C'est voilà, c'est ça. C'est du full pif. Mais en sachant qu'on a juste qu'un dernier... On n'a même pas le cloaking à acheter dans cette run. Donc là, ce qu'on va acheter, c'est quoi? Éventuellement le hacking. Je pense que le hacking, c'est le mieux. Mind control, si on veut jouer vraiment en mode pauvre. Sinon, le hacking de medbay, machin, tout ça. Mais avec une TP4, même pas besoin. On peut prendre un mind control et ça fera le café. Everyday. Donc je pense que, ouais, on va prendre le reversion field. Et on va vendre Crystal Vengeance. Ok, on n'a pas besoin d'essence, on n'a pas besoin de réparation. On n'a pas besoin d'armes. On va se mettre la bombe en plus, ça coûte rien. Et l'énergie. On va penser évidemment à mettre le Burst Laser 1 en ligne bientôt. Oui, voilà, vu qu'on a le lockdown, en fait, on peut tellement tuer des mecs gratos sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que ça? Bravo. C'est Mess qui est dans les armes. Ah, regardez, c'est formidable. C'est formidable ce qu'on est en train de vivre. Quelle émotion. Et par contre, c'est le Rock qui est avec lui dans les armes, mais c'est bon. Ah, quoi que j'aurais bien voulu faire tomber la bombe. Mais le Rockman va quasiment mourir, donc ils sont tranquilles, incroyable. Et non, on va quand même se prendre la bombe. Ou je cloque. Et non, je cloque, donc on se prend pas la bombe. Donc c'est l'arrivée du deuxième Rockman. Incroyable. Donc là, évidemment, on va dans les shields pour le défocus. Et donc on peut continuer à casser les armes. Peut-être avant l'arrivée de la bombe, ça serait bien. Eh bien non, il est mort de décès. C'est bon. On aura quand même eu le temps de tirer. C'est tellement efficace. Les pubs. Ah oui, mais ça fait 1000 ans qu'on doit mettre les pubs. Oh là là. Terrible. Cet homme. C'est parce que vous m'avez donné tellement d'argent que j'ai oublié que oui. Au bout d'un moment, il faut que je fasse une pause. Il faut... Le moment est venu pour moi. Bien entendu. De recevoir un massage anal à quatre mains. Histoire de me détendre, on revient dans 5 minutes. A tout de suite YouTube. Des bisous. Re YouTube. Alors, j'ai vu le grand Nio de YouTube de Squeezie. Bah non, parce que Nio, il bosse plus. Il bosse avec les Mexicomiens maintenant. Hélas, c'est là, c'est difficile de croiser Nio de YouTube maintenant. Faudrait aller dans des soirées populaires. On peut faire
On a deux sauts, on pourra revenir là. Hein. Moi, je dis que oui. Il dit que oui. Il dit qu'il bluffe. Ah merde, je peux pas mettre mon burst laser en ligne car nous sommes dans une balise de danger. Merci Pyrolusite pour le prime et Matt Sirius également. Ok. Ship. 35. C'est d'accord. Ho 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 ho. On est bien. Hein. Ah merde, non. Mauvais calcul, madame. Ça sera jamais safe, ça. Ah, je suis deg. Je suis deg. Ok, donc... bon, il n'y a pas de système de port. Donc, il y a une team... une team arme. Et une team clone bay. Ah merde, j'avais mis mon rock là. J'avais mis mon rock au shield en mode oui, parce que quelqu'un m'a dit mais quelqu'un au shield alors que quand la bataille est terminée, les astéroïdes ne font pas gagner de niveau au shield. Donc non, c'était de la merde. Mais c'est bon, tout va bien se passer. Oh, le bon miss. Ah, putain, le lance-missile, il est encore up. Oh là là, casse-couille. Ok, il est temps de, évidemment, faire un prank. Ok, oh, pff, la medbay qui tombe, d'accord. Pilotage, figurez-vous. Pourquoi je l'ai pas ramené en plus? Bah oui, ramène-le. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout mal. Ok, missile c'est terminé. Ça va. Bon allez, ça a été géré comme un cul, mais c'est normal, c'est la reprise. Merci. 19 PEV, c'est dommage. Mais ça va. Les armes sinon. Ah oui, mais j'oublie que j'ai des armes. Oh. C'est parce que ça se passe trop bien. Vous savez, quand ça se passe trop bien, je joue mal. Vous le savez. Alors que la dernière fois, on s'est retrouvé à 2 HP. Enfin, on perd nos deux mantis. Tout le monde me dit reset, c'est de la merde. Et là, on s'est concentré. On s'est retrouvé à 2 HP. On est resté serein. On est remonté, on a gagné. Spoiler. Merci Pandréor pour le sub. Donc voilà. Voilà, c'est normal. Quand ça se passe bien, c'est la détente, on joue mal, mais c'est pas grave. Ah si, c'est safe. Putain, c'est du génie. C'est totalement safe. Fight. Bah là, on va les utiliser, nos armes. Promis. Il faudrait que les 5 touches, ça serait un peu miraculeux, mais à ce moment-là, le Zoltan Shield tombe, et c'est le plaisir. Toujours pas de Medbay ou Clone Bay, ils sont très aimables. Ah non, il y en a un qui touchera pas. Oui, peu importe. Qu'est-ce qui est parti là? Ok. C'est la bombe, hein. On va juste cloque la bombe. Oh oh oh! Très bien. Allez, on est farceur, on est farceur. Into bonjour. Voilà. Ah, la bombe reste. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Bonjour. Ils ont décidé de ne pas s'enfuir et c'est leur choix. La boule magique. On va peut-être échanger les positions. Ah bah non, tout le monde est maître en baston. Même pas besoin. Ils sont tous sur vénère. On pourrait éventuellement mettre le mantis dans la game.
Parce que le Mantis, il a pris que 8 d'XP en armes depuis qu'il est arrivé, forcément, vu qu'on tire jamais. C'est vrai. Merci Kuruxldia. Qui après. Ce saut-là, donc. What? Mon réacteur qu'on... Oui! Oui. Certes, l'essence est précieuse, mais c'est plutôt sympathique! Je vends des missiles, oui. Ah, j'ai la small bomb. Je vends des missiles. Allez, des petites nébuleuses, un secteur civil bien desservi, ça serait sympathique. Un petit magasin. Pas du tout. Bon, le layout est pas... Ouais. Dommage qu'il n'y ait pas de nébuleuse. Alors. Bon, vu que j'ai que deux bombes, finalement, c'est pas la priorité. Pourrait commencer. Mais non, même pas besoin de... Enfin, TP2, si, il faudrait la level up ou la buffer. Mais vu qu'on envoie les 4 directs, c'est pas l'urgence. On va pouvoir commencer à penser tranquillement à notre point d'arme, à notre troisième shield, en anticipé. À du cloaking, évidemment. Distress. Oui. Oh mon dieu, vous allez mourir. Venez à bord. Un vulgaire humain dégueulasse. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Ah bah tiens, va dans les boucliers. Putain, mais les Zoltans, quoi. On est déjà full? On est déjà full et j'ai pas de Zoltan. Mais j'ai un reversion field. Et donc, si on en a un deuxième, c'est incroyable. Un vulgaire humain, quoi. C'est Julien C, bien sûr. Un compatriote youtubeur. Alors que le magasin. Trop tôt. On aurait pu le mettre en caméra, mais ouais. Alors, nous arrivons à une station spatiale en train d'être bâtie. Nous recevons un message de leur tour de commande. Oui, bonjour. Nous avons récemment perdu contact avec un vaisseau de marchandises qui devait livrer des matériaux de construction. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qui leur est arrivé? Oui, bien sûr. Oh, merci. On voit le Mantis au combat, oui je pourrais, mais non mais il est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Acheter un esclave, un humain? Très bien. Alors. Et il n'y a toujours pas de medbay, hein. C'est pas leur truc. Alors que ce NJ va connaître un moment enrichissant. ...90%, hein, c'était pas 100%, mais on l'a fait. On passe de bons moments dans cette salle d'armes. Incroyable. Et j'ai jamais tiré. Oh, il a pas tiré. Bah c'est vrai qu'il a pas tiré. Ils sont en train de casser où? Là? D'accord. On va leur faire comprendre qu'ils vont arriver un peu usés. Voilà. Le Rockman, il a pris un peu le tarot, et puis on a tiré deux fois, comme ça le public est content. Bonjour. Kapalka. Belle récompense, hein. Kapalka, il sait faire quelque chose de ses mains. Bon, bah, Kapalka... Alors, l'humain, c'est nul, mais l'humain, ça level up vite. Il est au bouclier. On a déjà deux NJ pour réparer. Je crois que pour une fois, on va préserver l'humain. Adieu humain, je suis pas sûr d'avoir envie de 3 NJ. Mais non, l'humain... Quoi qu'on a tellement de... Ouais, on a que des militaires après, donc ouais, on peut mettre... Ouais, non, mais c'est vrai que ouais, l'humain... Voilà. C'est vrai que l'humain, on n'aime pas ça. Nono le robot, t'es mon copain. Bon bah c'est Nono, du coup, qui s'occupe des boucliers. Incroyable, équipage improbable. Quoique si... Garder l'humain, c'était pas mal pour une quête, celle du Mantis et l'humain. Peut-être. Non, mais, ouais, je crois qu'il y a qu'une. Il y a que ça, hein. Il y a que cet event-là où l'humain a un choix bleu. C'est pas fou, quoi. On peut grider deux avant le store. Excuse-nous, Julien.
Merde, j'ai pas... Non, mais non, mais j'ai une bombe, je peux pas vendre mes... Alors, il faut les soigner. Ça passe ? Hacking. Backup batterie, ça va être pris. En vrai, on peut prendre les drones aussi. On peut tout prendre. Alors que River, si on file des Oltan Shield Bypass. Donc on peut prendre River, si on file Oltan Shield Bypass. On joue Mind Control plus tard. Et je pense que voilà, on vit un moment incroyable de liesse. Bah oui, hein. C'est bon. Voilà. Donc on est 100% immunisé au ion. Incroyable. Vous voulez de l'essence? Bon, je viens d'en acheter. Vous me donnez des scraps. Vous me bridez le réacteur. C'est acceptable. Vends la bombe. Mais non, je vous jure qu'un jour on aura des... Un glaive, bim. C'est ridicule. Il est quand même rentré. Ah, ils ont des portes. Un petit bâtard. Qui est qui? Mais qui est qui? Alors par contre, va vraiment falloir faire tomber ce glaive beam, sinon je vous allume. Hein. Ok, je vous allume. Ah, pourquoi il vient pas l'autre? Ah, ça y est. Tu vas lui faire l'XP. C'est mon petit cadeau. Je pouvais cloque pour delay. Oui, bon. Je les allume, c'est pareil. Ah oui, une clone bay. Clone bay, ça serait bien, hein. Quoique sans... ouais, c'est reconstructif téléporte qui aurait été très fort. Peut encore jouer comme ça, faudra juste être vigilant. Faut de l'espace. Oui, on va mettre en... En pilotage, il y a plein de choses à faire. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Oui, clairement les drones. Je vais quand même remettre le deuxième lockdown, parce que le Reaper drone, on n'en veut pas. Ah merde, j'avais pas besoin. Erreur tactique, mais ce mess va le récupérer. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que le temps qu'il fasse des allers-retours, là, le 4 contre 1 avec des maîtres en baston, c'est pas grave. Voilà. Ça va prendre un peu de temps. J'ai jamais tiré. Bah oui, non, mais je suis con. Ça passe, là. Ils ont quitté leur poste. Bah évidemment qu'ils ont quitté leur poste. Donc finalement, on passe des moments enrichissants. Oui, j'ai tiré. C'est pour votre plus grand plaisir que j'ai tiré, bien entendu. Ah, il va dans sa mède. Paf! Ah bah, sale. Qu'est-ce qui se passe? Et là, évidemment, prank. Bonjour. C'est bon. Ok. Ah mais non, c'est Nadia qui a besoin.
On est pas mal. Les récompenses sont très bonnes. Crystal B risque de faire un gros high score hein, si ça se goupille bien. Quoi qu'on n'a pas eu le scrap recovery arm. Mais on joue TP tout du long. Très bien. Ah, Crystal B, il est dur au début, mais ensuite c'est assez grave. Ah oui, alors on m'avait dit quoi, je pouvais... Ouh, j'espère que c'est une cloque 1. Hein, qu'est-ce que tu veux, toi? Dans la medbay, donc. Très bien. Pas de clone, cependant. Ok, Ah putain, Nadia est encore placée comme un cul. Y'a pas de système de porte, ok. Donc on peut aller là et bait à fond. Qu'est-ce qu'il y a? Yonpulse! Ah mais... Oh, j'ai full résistance avec avec le yon résiste. Ah putain, j'aurais jamais mis du cloak. Aïe aïe aïe, j'aurais pas dû cloak ça. Et j'ai pas tapé, connard. Ça pique. Ok, c'est pas grave, on a appris quelque chose, mais c'est ballot. J'ai bien fait de tirer en tout cas parce qu'il y a plus rien. Ah, ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est de la main. Bon, on va falloir s'occuper de ça, les petits gars. Ah oui, non, mais c'est tellement fort. Oh là là, mais putain. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à foutre des plasmas. C'est incroyable. Incroyable. Vous vous en sortez, là? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Difficilement, quand même, hein. Il a un PEV! Il a un PEV, putain. Ça avait l'air tellement plus sympa que ça. Quand on le voyait de l'extérieur. Il a un PEV. Failli se faire roxer par l'humain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Nana, nani, 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 nuna. C'est la nuna. Non mais oui, le réversion field, j'avais oublié que ça marchait contre ça aussi, donc c'est génial. Qu'est-ce qu'on... On vit vraiment des moments hallucinants de l'IS. Oui, le Mantis, il est venu, voilà. On fait participer. L'essentiel, c'est de participer. Ah, marchand a besoin d'aide. Oui, on va l'aider. D'accord, c'est un coursier qui est en retard d'une semaine. On aura une quête au prochain secteur, on s'emmerde. Ah, dommage. Ouais. 3 d'essence. J'explore le champ d'astéroïdes. Gros plan cul. Ouh. Zoltan NJ, NJ bien sûr. Quoi qu'on on a le TP, on peut aller chez Zoltan. Faudrait que je mette mon burst laser en ligne. Mais on a envie de magasin. La quête est là tout de suite. Tout de suite là. Et il n'upgrade toujours pas son vaisseau. Là, la grille est absolue. Alors qu'en vrai, j'ai tellement peu de choses à acheter. Ok, il a le cloaking, donc je mets pause, je TP medbay. Ça marche pas. Y'a autre chose à faire? Oui, j'ai le bypass, je sais. Donc Yon Blast 2, c'est chiant. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller medbay? Oui. Ah oui, mais de toute façon, vu que... Ah, mais je suis invincible aussi contre ce vaisseau. Mais putain, mais oui. C'est... Mais non, mais double réversion field, en fait. All day, quoi. All night long. All night... En fait, je peux XP. Vu que le Yon Blast 2 tire très souvent, là, on peut XP. En mode... Let's be the kings again. En mode pilotage esquive. L'esquive est gratuite, sauf que je vais les tuer. Sauf si je décide de rage quit.
Oh oui, encore une pub. Et il me le demande en plus. Par contre, je chargerai pas mon bouclier, mais je pense que maintenant on va... Ouais, si, on chargera le bouclier, mais jamais avec les lions. Ce serait incroyable, sinon, c'est pas possible. Attendez. Juste voir. C'est Nono qui est dans les shields. Donc je vais voir quand il y a une touche. On est d'accord, ça serait trop gratuit. Vu qu'il recharge jamais le shield, il va jamais prendre d'XP, on est d'accord. C'est dommage. Mais les autres vont se gaver. Et du coup, on peut aussi faire ça. Auto-fire du burst laser 1, qui est plus rapide du coup. Comme ça, le Mantis aussi, il XP. Et on passe vraiment des moments enrichissants ensemble. On va pouvoir faire une pause pub. Révoltant. Les gens réclament pub, c'est ça, c'est incroyable. Voilà. Tout est prêt pour passer un bon moment. A tout de suite, YouTube. Re YouTube, c'est bon! Ils ont tous level up, on n'a pas fait de pub, on a fait du real talk finalement. J'aurais pu laisser ce real talk, mais au bout d'un moment ça serait vu quand même. Donc retournons-y, terminons le travail. Du coup j'aurais pu envoyer le Mantis pour le level up, non mais honnêtement là faut arrêter. Oh putain, la Medbay qui a tenu 2 secondes. Non, 1999. Non, le but en fait c'est de reprendre. J'ai déjà fait des tests en gros, mais vous verrez, je vais pas tout vous spoiler. Mais c'est de reprendre des textes que vous connaissez, mais les remanier pour qu'ils soient un petit peu plus médiévaux et heroic fantasy dans l'âme. Voilà. Laissez-moi apprécier les ondes avec mon chambellan. Je ne suis pas d'humeur à être importuné. J'ai mes tracas, alors de grâce cesse. Bon bref, etc. etc. Très bien. Alors on a 150 hein, de scraps, mine de rien. Ok. Et ben on est pas mal, hein. Je sais même plus quoi faire de tout ce pognon. On a récupéré cette missile, c'est incroyable. Faudrait trouver un store, mais on est chez les NJ, ça devrait l'effectuer. Est-ce que je gride encore? Toujours plus fort que la mort. En vrai, je pourrais quand même commencer à investir. J'ai quelque chose dans mes cales? Non, si. Non, enfin oui, rien de vendable. Tout est bien, là. On va mettre la small bomb en ligne, ça c'est acceptable, non? Troisième chine. Bon allez, pour l'instant, on grid. Et si je meurs, c'est ridicule. Merci ceux qui sont furtifs. Kinuo, c'est avec 13 viewers, merci beaucoup et bienvenue. Aux viewers de Yu Saucisson. Et merci J2L et Drodoxan qui subprime. Alors qu'il n'y a pas des... On va quand même avancer parce que niveau d'essence, c'est toujours la misère sexuelle. On est à 40% d'esquive déjà, grâce à nos incroyables NJ. Ils veulent augmenter mon réacteur pour 3 missiles et 2 drones. Pff, d'accord. On la jouera jamais, cette bombe. Cloak et senseur. Non mais c'est vrai quoi, là, on pourrait commencer à mettre un peu de thunes. Parce que même le Weapon Pre-Igniter, on l'achèterait pas. C'est une de ces rares parties où on s'en branle d'avoir le Weapon Pre-Igniter. Et on n'a pas d'urgence encore sur drone et machin. Donc oui, le cloaking peut prendre. La TP, c'est pas urgent. Medbay, oxygène, c'est du confort. Allez, cloaking, senseur. On est à 100 scrap. Un d'essence. J'espère qu'il y a un magasin à droite. C'est vrai qu'on a eu 3 hubs de réacteurs. Oui, on prend le risque. Y'a pas de... Comment ça? Y'a pas de drone, y'a pas de cloak, y'a pas de... bouclier. C'est quoi le bail? Alors on pourrait y aller, mais on va pas le faire. Il faut y aller à 2, hein, on le sait. Il doit avoir 800 000 d'esquive.
Mais on va le faire comme ça. De toute façon, les ions, on craint rien. C'est bon, on a gagné. Il pourrait nous arriver. Easy money, Lisa money. Comment on comprend ce qui se passe sans avoir joué au jeu? Alors il faut regarder plusieurs streams longtemps, s'imprégner de l'ambiance. Sinon j'ai fait un tuto extrêmement anxiogène sur YouTube. On récupère 3 d'essence, donc on a le temps d'avoir le temps. La détresse. On XP les boubous. Ah oui, on aurait pu XP les boubous. Oh non, au bout d'un moment ça commence à se voir. Le signal de détresse vient d'une petite station qui orbite autour d'une planète non habitée. Leur système de défense satellite est devenu fou et leur équipage de mécaniciens ne peuvent pas s'en approcher sans se faire tirer dessus. Je vous promets de vous aider. Avec mon NJ ou mon cloaking? On s'en fout. Avec mon NJ, je préfère la solution humaine. 46 scraps. Mais ils sont où les magasins? NG, c'est mieux en effet. Alright. Le voilà notre magasin. Gridon. Ah merde, mais je me suis mal placé. Comment je gride efficacement là? Ah. Si je vais là. Ensuite, quand j'avance là, il est là. Donc je peux aller là. Si j'ai que ça à foutre de ma vie. Faudra refaire le calcul après. Gride toute la vie. Hein. Ah oui, 2 d'essence. Ah. Ah. Écoutez, on va voir ce qui se passe. Voyons voir ce qui se passe. Comment ça gride pas, t'es riche? Au contraire. Non mais là, si... Ne vous inquiétez pas. Incroyable moment de liesse. C'est tellement gratuit. L'ATP à 4, hein, y a rien de mieux. Alors que 228 scrap et on récupère de l'essence. De quoi aller faire les voyous? Se débrouille toute seule. Putain de violence, elle a scellé. Pourquoi être aussi corrompu? Ah. Quel plaisir d'avoir rencontré Mundir d'ailleurs. À Dublin. 1 d'essence. Ah non, là 1, 3. 3 into. Ah oui, ça se trouve, ça va être scandaleux. On peut aller là. Quoi qu'il arrive, ça, c'est pas remis en question. Troisième boubou. Oh, chaque chose en son temps. Ah! Mais on s'en fout. Oh, par contre, le lance-missile, on s'en fout pas. Alors, on fait ça bien. Ah putain, ok. Ah oui, mais du coup, double lockdown, donc ces abrutis vont être bloqués. Et c'est du génie. Oh là là, on tue quasiment tout le monde. Mais j'ai quand même envie d'enlever ma bombe là. C'est le petit lance-missile, moi c'est le bridge qui m'intéresse, donc je vais tank. J'attends. Kalamet B prend. Kalamet B est morte. Le missile a loupé, semble-t-il. Ou il a touché, mais rien de grave. J'ai oublié de mettre le... Putain, j'étais tellement focus que j'ai oublié. Faut que je fasse le point, je suis plus focus. Du coup, j'ai paniqué les armes. La vie, c'est de la merde. Donc du coup, focus bouclier. Mais toi, tu restes là. Vous, restez là. Respectez-vous. On cloque. Et voilà.
et tout va bien se passer, madame. C'était un peu à la zeub, mais... Ça suffit. Alors que... Ah, on peut s'en aller avant le solar flare? J'ai quand même envie de les soigner. Ouais, non, je vais les soigner. Ok, nickel. Et on a 6 d'essence, tout va bien. Oui, j'accepte, j'accepte. Oui, abandonné. Rendez-vous, saloperie de NJ. Alors que j'ai tellement de thunes, j'ai tellement de thunes. Quel est votre problème? Vous avez un bug? Mais laissez mon mantis communiquer avec votre mantis. J'ai tellement de thunes. Alors que l'appel de détresse. Qu'on va pouvoir prendre après le store? C'est incroyable, cette partie est vraiment rafraîchissante. Mind Control. Alors, est-ce qu'on va pas prendre le Mind Control et la Backup Batterie plutôt que les drones? Ou le Hacking? Stun Bomb, ça peut être très drôle. Mais c'est un peu débilos. Mind Control, hein, on prend le Mind Control, batterie, ouais, voilà. Allez, Mind Control, into backup, batterie. Le petit Zoltan, oh, le petit Zoltan maître en shield, oh là là. Oh, bah, d'habitude, alors c'est vrai, madame, d'habitude, comprends pas des membres d'équipage. Mais Nono le robot, eh bien, il va bien aller se faire foutre. C'est ma bite. Très bien. Très bien. Le Pike pour la route. Alors, c'est vrai que Burst Laser 2, Burst Laser 1, Pike, on commence à être dans les ambiances du rigolol. Tout peut aller très vite. Mais la bombe, elle a son sens, hein, parce que la bombe, elle passe à travers le Zoltan aussi. Bon, c'est rigolo. On pourrait prendre le Pike Beam. Même si en vrai... Ça dépend, en fait. On préférait avoir Burst 2, Burst 1 ou Burst 2 et Albert Beam. C'est plus simple. Pike Beam prend 16 secondes. C'est vrai que le timing est pas si dégueulasse. Le Shield 3, évidemment. Le Repair, un peu d'essence. Ouais, allez, un Pike Beam. J'aime bien le Pike Beam, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Hein. Vous savez, deux Burst Laser, deux Pike Beam, c'est bien aussi comme build. We take that, comme le groupe. On répare le troisième shield. Faudrait y penser. C'est vrai qu'il faudrait y penser au troisième shield. Écoutez, on va focus sur le troisième shield quand même. Quoique, on est encore sur ce secteur-là, et il y a un petit magasin, ça se... Nous arrivons sur une station NJ en misère sexuelle, attaquée par des pirates. Je vais scanner avec mes senseurs améliorés. Oh! Sauver le NJ? Non! On n'a pas envie d'un NJ. On vient d'en tuer un. Je sauve le drone. C'est un bon deal. C'est un bon drop. Into exit. Putain, du coup, on a des maîtres partout. Putain, mais il est tellement bien. Quoi, vous voulez 5 missiles? Mais non, mais comment j'utilise? Bon, d'accord. Secteur abandonné, jamais. NJ. Du coup, possibilité de deuxième magasin, Burst Laser de Pike Beam. Ok.
Allez, allez, d'accord. Oh, c'est cher. J'ai failli perdre un Crystal Man sans m'en rendre compte. Comment ça? Comment ça? Distress. Il nous manque de l'essence. Ah! Ah oui, alors d'habitude on les détruit. Alors quand on les détruit, on peut avoir une bataille. S'ils étaient encore vivants, ces pirates, s'ils se cachaient. Mais grâce à mon Pike Beam, voyez-vous, j'ai un choix bleu. Je vais découper le vaisseau avec attention. 50 balles et 3 d'essence. J'aime. Si on va en bas, on est bloqué. Bloqué! Très bien. On va quand même faire ça. Ah ouais, mais si je fais ça, je dois faire ça derrière. Mais on peut avoir quelque chose d'intéressant là, donc je pense. Tandis que si je fais ça, je peux. Bon, on va aller là. Combien pour les deux d'armes en plus? 50 et 75, 125. Nous établissons sur le contact avec une station scientifique isolée, NG, qui reste en place malgré la probabilité d'une invasion Mantis. Il vous suggère d'essayer une technologie expérimentale et vous abreuve de pognon. Ah! Alors le problème de ce magasin... Non, ça passe. Backup DNA Bank, on n'a pas de truc. Heavy Laser 1. Non. C'est Ramadan. Riversion Fil pour avoir 150% de résistance au ion. Non, j'ai besoin de rien là. Oui, je peux vendre mon drone. Paf. Essence. Essence, c'est bon, hein. Merci, TMC Bubbles. Heavy, pas déconnant. Oui, mais... Ouais, non, mais la small bomb est bien, je veux dire, dans l'absolu. Si on... Avec mind control ou n'importe quoi, enfin, à partir du moment où on occupe le pilote, ça devrait passer. Quoique, ouais, le heavy... J'ai que deux bombes, mais des bombes j'en aurai à la fin. Et les bombes elles passent à travers le Zoltan parce qu'on a le Zoltan Shield Bypass. Et ça c'est un petit avantage qui est rigolo quand même. Non mais j'ai pas envie de dépenser d'argent, je veux dire. J'en ai pas beaucoup. Oui, quel est votre problème? Mais laissez mon... Quoi? Ah oui, d'accord. Il croit qu'il est humain, donc le Mantis peut y parler. Ou je vais utiliser mon mind control pour le calmer. Oh putain, merci. C'est pour tout cet argent. Le Mantis se calme et communique grâce à l'NG et votre aide. Et il demande d'être lâché à la planète la plus proche, à la colonie humaine où il a été, comment dire, éduqué. Merci. Putain, on a eu les mêmes events à l'infini. C'est fou. N'est-ce pas? Ah oui, augmented mind control. Ça c'est de la merde, allez. J'essaie de voler. Allez, je vole les innocents, je vole leur essence. On est en temps de guerre. Il y a des sacrifices à faire. On va avancer vite parce que sinon on va jamais profiter de ce qu'il y a en bas. J'aide le civil, tout à fait. Je crois que ça va être... Lockdown. Mind control.
Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font? Oui, voilà, c'est votre ami, donc tapez juste les armes. Oh, c'est génial. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. No escape. Ah oui, j'avais pas fait cet achievement. Eh ben voilà. On a tous les achievements du cristal. On a enfermé 4 personnes. Enfin, oui, 4 personnes avec notre pouvoir cristal. Oh putain, ça a failli mourir. Oh là là, l'innocent. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ça qu'on t'a demandé. Oui, merci. Le firebeam, donc. Mais non, mais c'est normal. Quand on tue les gens au lieu de détruire le vaisseau, on a de meilleures récompenses. Jouez au jeu, bordel. Incroyable. C'est incroyable d'être jugé comme ça en permanence. Lose yourself to dance. Ok. Ah, alors que Francky Vincent, le magasin. Et eh ben ça tombe bien, on a pas mal de choses à vendre. Je veux bien échanger mon Burst Laser 1 contre un Burst Laser 2, par exemple. Ah. Je pense que la clone belle, là, c'est pas légitime en fait. Quoique, il y a toujours des situations plan cul où on risquera de perdre les mecs. Mais on les amène toujours à 100. Dans le fight, c'est ça qui est bien. Je pense que, ouais, là setup 4 TP plus lockdown, on est tellement, comment dire, en maîtrise. Bon, je dis ça après avoir failli perdre un mec. Mais on est tellement en maîtrise, si vous voulez, de ce qu'on fait, qu'on préfère plutôt les avoir full life à chaque début de combat. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce Firebeam? Ce Firebeam, il serait super glamour si j'avais... que des Rockmen. Ça reste rigolo, le Firebeam. Mais on préférera le Pike, hein, quand même, je pense. Et garder la bombe. Non, le Firebeam, c'est très drôle. Là n'est pas le problème. Mais en fait, le souci du Firebeam, c'est que c'est 20 secondes. Donc, il faudrait... entre guillemets, utiliser les bursts laser deux fois pour pouvoir ensuite l'utiliser. Donc... Allez. Eh ben, on est bien. Clone Bay, c'est toujours worse. Même si sans DNA Bank, ça peut être aléatoire. Non, mais je pense que je... On va juste on va upper notre vaisseau de manière absolument dégueulasse et intolérable. Lentement, mais sûrement. Oui, il faudrait que je up la TP. Là, j'ai dit mind control et porte pilotage, qu'on n'avait pas fait, c'est bien aussi. Oui, je vous aide, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous voulez vous téléporter? Vous voulez vraiment faire ça? Ah non, vous voulez plus. Bien sûr. Alors que le mind control du gigalol... Ah non, alors là, on va le mettre mind control, là, c'est du génie. Oh là là, et il tabasse son pote. Oh, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Des moments de misère sexuelle quasi intolérables. C'est le moment de casser la medbay. Kiltran.
Bah on vous attend les gars. Alors que donc, très bonne récompense car on se battait. 54 et les NJ, qu'est-ce qu'ils nous disent? 4 d'essence. Non mais mon prix pour Joel Clodo ou quoi? Très bien. Ça va être le moment de la pause, incessamment sous peu, qu'on n'avait pas fait de vraie pause pub. Nous avons discuté, c'était bien. C'était bien. Des bisous, Irfan. Bonne nuit à toi. A bientôt. Merci d'être passé. Alors. Et ben voilà. Ça se passe plutôt bien. Alors que Store into Distress, into s'en aller. De toute façon, on a le cloak. Donc il faut qu'on grid un max maintenant. En vrai, le Store. Qu'est-ce que j'attends d'un Store là? Éventuellement, échanger le Burst Laser 1. Ou trouver un truc débilos pour remplacer la bombe. Un Bridge 2. Oh putain! Ah ouais! Si mon stuff final c'est Burst Laser 2 x 3 ou Burst Laser 2 x 2 Pike Beam et on remplace la Small Bomb par une Bridge Bomb, je veux bien mettre 8 en armes. C'est mon cadeau à la communauté, bien sûr, de FTL. On se retrouve dans 5 minutes. Ah, il faut pas que je fasse mon raccourci, sinon j'utilise la batterie. A tout de suite. Re YouTube, allez, on est là. Tout se passe plutôt bien. Faut bien l'avouer que cette partie, elle sent plutôt bon. C'est moins stressant qu'à l'accoutumée. Bon, on se le fait ce magasin. Je crois qu'on peut se le faire, hein. Oui. Bonjour. Oh. Ouais, mais j'ai plus de sbires. Ce serait dommage d'enlever le mantis. Ouais, non, je crois que je peux pas... C'est toujours rigolo hein, d'avoir un énergie avec le Zoltan. Les armes, on n'a pas regardé. Scrap Recovery Arm, haha. Reconstructif téléporte. Du coup, on aurait pu prendre la Clone Bay. Mais le fait est que là, au niveau augmentation, on était déjà full et très bien. Et on n'a pas l'argent pour acheter Clone Bay et Reconstructif. Sauf si on vend tout, mais on veut pas tout revendre, il en est hors de question. Mon crew, il est dans la place. Il est totalement dans la place, mon crew, hein. Et donc c'est non. Donc, bah non. Évidemment, il y avait de grandes chances de toute façon que ce store nous soit inutile. Du coup, c'est dommage. Mais c'est ainsi. Oui. J'aurais pu prendre de l'énergie du coup, c'est pas grave. Distress. Alors, il y a des drones. On va voir quelle sera la surprise de la carotte de... On se fait chier. Il y a un flak. Ah, il y a des armes quand même. Il y a une autre arme là à gauche qui est planquée. On la voit pas encore. C'est un autre flak, hein, j'ai l'impression. Ah putain, il faut que je mette... Dans ces configurations-là, il faut que je mette le rock en haut, en fait. À chaque fois, j'ai qu'un lockdown. Mais en vrai, on a juste à faire le lockdown dans les shields. Et ça suffit. D'autant plus que l'autre essaye d'aller sauver son shield. Donc c'est truculent. On n'a pas fait de mind control, c'est le moment de le faire. Casse le bouclier avec nous. Pourquoi tu veux pas casser le bouclier avec nous? Si, merci. C'est le moment du cloaking donc. Suivi de ça, hein, vraisemblablement. Ça, c'est pas mal. Ok. Ça va bientôt être le moment de se désarmer. Pour être sûr qu'on nous foute la paix, c'est le cas. Mind Control Guy fait son taf. Ça devrait bien se passer. Ça va être suffisant pour... attention quand même, on va mettre
les assists. Parfait. Ah d'accord, le NJ, alors si on leur donne 40 scrap, 2 missiles et 2 d'essence, c'est une augmentation, on est d'accord, c'est pas une arme. Donc on s'en branle. Leur donner 25 scrap, je crois que c'est random. C'est genre merci lol. Je sais pas si ça peut être une arme. Rarement. C'est full RNG, on donne 25, c'est merci lol ou... Je crois qu'il peut y avoir... À 40 scrap c'est le NG Med, bah oui, ce qui est rigolo. Mais 25... Ah, ça peut être un truc du réacteur. On pourrait, pour rigoler, Healing Burst ou Random Drone. Personne n'est d'accord. 25, ouais, en effet. On va rien donner, hein, je pense. On aime notre argent. Très bien. Parlons de medbay. C'est du confort. La TP aussi, hein. On va le faire maintenant. Ouais, on le fait maintenant. Allez, voilà. Enfin, on l'a. Tout va bien se passer. Ah bah parfait, au milieu comme ça. Antis qui va se faire un petit plaisir de défoncer son poteau. Il n'y a aucune arme qui tire. Oh, ils ont switch comme des abrutix. C'est magnifique. Bien, on vous attend, messieurs. Couille en or. Hein. Couille en or à chaque fois. Incroyable. Pense à switch Nadia. Ah oui, on va le faire. Donc Nadia, top lane. C'est e-sport hein, comme jeu. Et l'exit safe. Magnifique. Ah, le scap recovery arm. Oui, évidemment qu'on a pu largement le rentabiliser. Les scanners montrent qu'il y a des formes intelligentes. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de communiquer en paix avec ces petites créatures bizarres. Mais on ne se comprend pas avec les My Little Pony. Mantis ou Slug? On n'a pas de slug, on n'a pas l'oxygène, on pourrait, mais on n'aime pas les slugs et les mantis, on aime bien leur casse-le-fion. On peut se TP dans le boss, bien sûr. D'autant plus qu'on pourra même se TP lors de la phase finale du boss. Très bien, c'est un vaisseau humain donc. Go. On sait ce qu'on a à faire. Le programme reste le même à chaque fois. Bonjour. Battez-vous. D'accord. Très bien. Je vais la cloque. C'est un peu risqué.
Ah merde, elle missait. Mais je pense que sans tirer, en fait... Je fais tomber le bridge. Avec mon cloak. Pas du tout. Aïe. Ça va. Mauvais pif, donc. Vite. Ce serait dommage de pas profiter de ce petit moment enrichissant. Ce sont des humains. Ça devrait bien se passer. Ah, j'ai pas mon cloak. Small bomb my shield. Bon, dommage. On a pris du dégât, incroyable mais vrai. Ça peut arriver. Ma bite est un Zoltan. En plus, il était maître en réparation, non? Ah non, c'était pas lui. Pas du tout. Ah non, c'est celui qu'on a, le deuxième qu'on a croisé dans un magasin. Très bien. Voilà, cette run c'est le calme avant la tempête. Croyez-moi que le stealth C, ça se passe pas comme ça, se passera pas comme ça. Quoique si c'est le cas, je ne m'en plaindrai pas. Allez, ne soyons pas avares. Paf, pif. La batterie, tiens, faudrait s'intéresser à la batterie. On n'utilise pas. Donc j'avais pas besoin de mettre l'énergie là, mais c'est pas grave. Ok, on a un flak, semble-t-il, un burst laser 2 et un burst laser ou un basique. Non, c'est un burst laser 1. D'accord. Bah oui, ça marche très bien. On le sait maintenant. Du coup, lock the shields. Oh là là, ils sont 12 000. Il va falloir un assist. Parfait. Par contre, le drone qui se balade, c'est toujours chiant. Le premier flak, on peut l'esquiver. Ah merde, oh putain, je suis con. Bon bah j'ai de la chance. J'avais pas vu que le burst laser 1 était parti également. Mais ça s'est bien passé. Pas. Ah voilà, il tient. Très bien. Oh bah non, ça va bien se passer. On s'installe. Au cas où le drone aurait la sale idée de revenir. Ah, oh, c'est les vacances. Oh bah oui. Oh bah, bah oui. C'est normal parce que quand on joue TP, en fait, si vous avez pas suivi mon petit tuto FTL, jouer téléportation vous permet d'avoir des meilleures récompenses. Voilà. Alors. Très bien. Alors. Le 8 en armes, en effet, on y pense maintenant. Mais on a le temps, on a le temps. Donc on va être à l'économie maintenant, pendant un petit moment. Comment on veut faire ça? Parce que moi, mon plan à la base, c'était faire ça et revenir. Mais ça va pas être si ouf. On ferait peut-être mieux d'exploiter tout le bas comme cela. Voir ce qui se passe. Dans tous les cas, c'est merdiquissimo. Quatrième bouclier. On est quoi? On est 6 en plus, on n'est pas 7 là. Quoi? Non, 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 évidemment qu'on va attaquer. Ok, ça essaye de venir. Trop tard le lockdown. Ouais. J'ai le droit à toute la clica. Ah, c'était pas le bon plan, fallait attaquer celui de la Medbay. Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, on s'éclate. Alors. Allez, on va tant que ce missile, il mise 45% d'esquive. Rien de scandaleux jusqu'ici. Pourquoi boule C'est bon, la ligne arrête de prendre du dommage. Ok. Oui. Ok, switch de position avec un 9. Balle 9. Juste ce dernier missile qui miss. Ça va vers les boucliers, bien sûr. $67 de scrap. En effet, à ce rythme-là, ah, je suis 7 là. Ok, faut pas déconner. Moi, je trouvais ça rigolo. Putain, j'oublie toujours que j'ai une batterie. Mais bon, pour l'instant, elle n'a aucune utilité, vraiment. On va peut-être avoir un record de crew hein, sur cette partie, qui sait. C'est cher, hein, c'est combien? 190. De fight, quoi. Non mais le vaisseau il est galère au début mais il commence avec TP et cloak. Comment voulez-vous qu'une fois que la run est partie, ça soit pas complètement dégueulasse et OP? C'est ça, c'est normal. Le cristal B c'est normal. Merci le Mantis qui a fait le taf pour moi. Du coup, je peux profiter de mon full cloak pour que le missile ne se recharge pas. Et du coup, c'est beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de plaisir. C'est normal. La chance n'a rien à voir avec tout ça. Je pense qu'on va passer un stealth très douloureux parce que là, avoir autant de moules. On joue bien, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de moules. Vérifie que t'es pas en easy. Et non, nous sommes bien en difficulté hard. Un petit magasin du coup. On peut mettre en arme tout de suite. La réalité c'est qu'on n'a pas besoin mais... On pourrait mettre le quatrième bouclier, c'est vrai en fait. Ensuite, ouais. Ce stuff là est déjà très acceptable. Hein. D'autant plus que la bombe passera sur les résultats. Bon, on va peut-être plus jouer la défense. Parce que notre stratégie reste la téléportation.
Et on peut découper un vaisseau très facilement en mettant toutes les armes, mais là on est parti pour faire du ice core. C'est beaucoup de plaisir. Le Yonblast peut être pas mal, en effet, mais... Non, j'ai pas besoin d'essence. Ah merde, oh là là. Ok, on va faire un grand chalet, on s'en fout. Hein. On s'en fout en vrai. Dans la medbay, donc. Essayer de se barrer. Je pourrais le mind control, mais honnêtement, pourquoi perdre du temps? Donc boule, luxe, ma bite. Non mais le Mantis, il était bien. Il est aux armes le Mantis, c'est un Mantis pacifiste. Oui, donnez-moi tout. 4 boucliers, figurez-vous. Mais bon. Charge leur FTL. Soit. Merde, putain, je me suis fait surprendre, je croyais que j'étais en pause, pas du tout. Ok, parfait. Oh, en plus, je vais pouvoir allumer les medbay. Faut que ça touche, mais il n'y a personne au pilotage, donc ça touchera. Ok, on va quand même se focus sur le prochain lockdown et le cloak. Comment ça miss? Comment ça miss? Ah, il y a un autopilote. Ok. Soit. Ça va être chiant. Ça va être chiant, cette histoire. Non, ça va pas être chiant. Si, ça va être chiant. Ok. Ok. On en tue en moins. Mind control, bien sûr. On va les occuper un peu, là. Et là. Ah putain, le pilotage qui fait le taf. Bon, bah, pendant qu'ils sont occupés, hein. Pas au shield, faut le bait, je sais pas, faites un truc quoi. Non, ça le bait pas. Voilà. Olofsson. 67 de scrap. Olofsson donc, qui est bon au shield et bon en esquive. Il nous est inutile. C'est terrible, parce que c'est plutôt un Monroc, hein. Désolé, Yves Rocher. Alors. Incroyable du cul. On est tellement bien.
Là, ça risque... On va peut-être... Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un vaisseau dans le top 5, quand même. Alors que le magasin... Oui, bon, on va faire ça. Non, on va peut-être... Non, c'est bon. On aura juste l'exit qui sera problématique. Allez. J'ai même plus quoi faire. Hein. J'ai même plus quoi faire de tout ça. Oui, je peux pas. Ok. Toujours plus de pike beam. Alors là, ça aurait été drôle si on avait eu le hacking. Parce que j'avoue, triple pike beam. Lol. Flak 2. Ah ouais, flak 2. Et triple pike. Gros truc de débilos. Non mais notre setup avec que des armes à deux, il est très bien. Là on a un setup qui est très propre sans rien dépenser. Alors c'est vrai que le flak 3 il est glam. Enfin le flak 2. 20 secondes, il ouvre tout et on met 3 pikes. C'est pas con mais... Ah flak 2, 3 pikes c'est 9 d'énergie. Ah bah oui. Oui 6 plus 3, 9. Oui non ok je dis que de la bite. Yon blast 2 plus 3 pikes bim. Ça passe mais c'est long. Sauf si on va casser nous-mêmes le... Le bouclier. Je pense qu'on va rester sur ce qu'on voulait faire. Et encore, on considérait... En fait, très honnêtement, ce que j'aurais voulu à tout prix, c'est le Bridge 2. Mais... On va rester par ce laser, la question c'est est-ce qu'on met juste la small bomb en ligne ou est-ce qu'on fait ça? A la limite pour le dernier fight on met la small bomb en ligne avant la phase 3 vu que notre bombe passera à travers le Zoltan et c'est bon. Burst laser d'or était mieux mais... Anyway, moi je le prenais le combat, mais d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Un soleil. Alors. 190 donc, 180 ici pour le quatrième bouclier. Ah, j'ai pas réparé. Bon, c'est pas grave. J'en prends bien une repair. Me faire en oxygène, ça se fait également. On va faire le shield 4. C'est quand même mieux. Évidemment qu'on a envie de faire les cakes. Mais la réalité, c'est que la TP fera tout le taf. Alors, ok, clone bay arm. Et on voit. Très bien. Merde, j'avais pas eu que le...
C'est un petit peu tendu, on va faire un switch de position entre Nadia et Lynn. Ça devrait bien se passer pour la team Clone Bay. On pourrait aller aider, mais j'ai pas envie de tabasser. On va plutôt tabasser le Mantis parce que c'est gratuit et ça nous fait plaisir. Ok, on va se prendre un missile. Bon, on a des buffers un peu partout hein, maintenant. Donc c'est pas la mort. Ici on fait un switch de position. On met le rock sur le Mantis. Le missile, batterie into escape. Ça miss, le feu est dans la batterie, ça devrait le faire. Ah quoi qu'il est pas niveau 2. On va voir, qui est en train de mourir? Oui, le feu. Le feu, ça brûle. Eh, c'est tendu, là. Le Rockman est immunisé, hein, cependant. Ok, ils vont mourir, pour de vrai, en fait. Go back. C'est sûr que ça, sans la pause, les Oreo accident bataille. Donc le Mantis persiste et signe et va mourir. Ok. Alors qu'on me propose un Mantis mettre en bouclier. Mais on va garder ma bite. Je suis solidaire avec ma bite. Ah, et par contre, on est obligé de. On va subir encore. Un solar flare de merde. Putain. Soit. Easy. Into exit donc et je peux pas upgrade. It's ok. On met les moteurs bien sûr pour s'enfuir plus vite. On va pas envoyer les gens, je pense. Ils vont m'envoyer un sbire. Plusieurs sbires. J'aurais pas dû, mais je voulais. En fait, j'aurais pu cloquer là et je pense que ça a tout passé. J'ai voulu attendre un peu, autant pour moi. C'est bien fait pour ma gueule. ...5% d'esquive. On répare. S'en va. Allez, j'emmène un mec avec moi, c'est mon petit plaisir. Voilà, le Mantis, il s'est juste défendu. Allez, on est réparé, il nous manque un... Ma bite est engagée dans un combat terrible. Ça répare. Ça se soigne. Ça regagne son spot. Le layout donc. Oh putain, j'ai cru qu'il était à deux sauts de la base. Oh, sale histoire, hein. Pas très cool ce last stand. On va aller repair, on va rush le repair.
Et on verra ce qui se passe ensuite. Ouais. Et donc, c'est 190 pour les armes. Il y a la batterie. Il y a l'énergie. Allons voir. Il aurait perdu fond, hyper accessible, c'est du plaisir. Non, on veut pas TP dans un truc qui cloque. C'est là. C'est là où, évidemment, sans clone bear, on est mal. Du coup, ça va être un peu chiant cette histoire. Ça va être un combat peut-être un peu pénible. C'est le lance-missile évidemment qu'on veut éviter à tout prix. Je crois que dans ces cas-là, il vaut mieux que je loque un, non? Cooldown sera vraiment meilleur. Oh oui. Et c'est le bridge qui tombe, madame. La musique te trigger de ouf. Ah, elle est incroyable, cette musique. Oh, on a encore autant de monde que ça. Et dire qu'on va peut-être enchaîner avec... Calmez-vous. Putain, pourtant, la partie est allée vite, mais bon, ça reste du FTL. Hein. Il est déjà 2h30 du mat. Tibetaire. Du coup le bridge va peut-être revenir, mais on s'en fout, on a récupéré le cloak entre temps. On va attendre, je pense. Je crois que ça passe. Passe. Ok, maintenant on ne loupera plus, on va attendre le cloak. Troisième shield qui revient. Tranquille. Speedrunners font des parties de 20 minutes en hard. Oui, le jeu est marrant à speedrun, mais bon, c'est RNG Fest, mais oui. Ça va très vite, hein, faut chercher le starter, comme souvent. Et il a déjà... Il est à terre, il est mort. Alright. On prend le Reaper, bien sûr. On est full. Et ben on va pouvoir mettre nos 8 en armes. Ok, Pas du tout. Oh, il me fait un petit saut supplémentaire du schnapps. Par contre, la salle blague, c'est que là, c'est pris. Oh là là. On grind donc. Et pour raider. Ça peut mal tourner, c'est vrai. Très bien. Mind control.
On re-lockdown. La miss, je suis obligé d'attendre le... Ah. Oh bof, quel switch d'armes incroyable. C'est la PLS. On s'éclate. L'ambiance est très bonne. Ok. Ah, le bagging, c'est rigolo. Très bien. Batterie 2, hein, c'est bien. Même si on aime avoir l'énergie en physique déjà présente. Mind Control 3, c'est du bonus, mais c'est du bonus pas dégueulasse. Donc on est obligé de se taper ça, quoi. Ça, c'est... Ouais, bah, on est obligé de repasser par là, hein. C'est dégueulasse, mais... On n'a pas mieux à jouer, hélas. Mind Control 3, ce serait marrant, mais bon. On va attendre. Qui sait, on aura peut-être le temps de se le faire comme il se doit. Jump! Le battery max, c'est bien. Ok. Grosse ambiance. S'il y a sa barre de vie, c'est qu'on peut, hein. C'est safe. La SB, donc. Il va falloir timer ça à la perfection. Qui est dans ma batterie? Qu'est-ce que tu fais? Va vers la medbay. Très bon choix. Je garde mon clocking pour la SB, hein, c'est convenu. Alors qu'il n'a pas lockdown, il se déteste. La bombe miss a priori. Je me déteste. Non, la bombe va dans la TP. Interesting. Ok. On va voir ça. Très bien. Ah putain, ouais, je joue le 4 contre 4. Heureusement que c'est des humains. Dans la théorie, ça... Ah, quoi que Maxwell a pris, bon, on va voir. Il y a eu la SB Danger, oui. Ok. Oh merde, putain, j'ai cloqué beaucoup trop tard. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant je tirais pas. Mon cloaking était anecdotique, du coup on va se le prendre. On se le prend. Ouch. Putain, ASB Danger, je croyais qu'il y avait eu le warning, mais il y avait pas eu le warning du tout. J'ai mal lu l'info. Putain, merde, du dommage. Pas glop. Ça devrait tenir en tout cas là. Par contre, on passe un sale quart d'heure. Qui est en PLS? Ça va tenir.
Oui, c'est vrai que c'est que pour ça en plus. Moi, j'avais juste à me barrer. Mais on joue le scoring, alors peut-être que ça fait des points de battre un méchant. Vous inquiétez pas, tout est maîtrisé. Oxygène 2. Allez, le mantis, pour participer. Robot chiotte. Ah bah oui, robot chiotte, il a pris des dégâts. Intolérable. On peut pas laisser robot chiotte dans cet état-là. Tout le monde se balade, au calme. Ouais, ça dépend si il backdash là, mais je pense que je dois aller le prendre le fight. Quoique non, je vais pas prendre le fight, j'ai envie de upgrader mon vaisseau avant le fight. Et là, il n'y a pas d'ASB, semble-t-il, donc ouais, c'est cool. Il doit y avoir des drones vénères. En tout cas, il n'y a que ça. Ce qui est assez étrange. Donc, on n'a pas le cloaking pour l'instant. Pas de panique. Non. Oui. Ah putain, il y a un drone, un Ion Intruder, je crois, qui arrive. Évidemment, ça ne pouvait être aussi simple. Ah oui, mais du coup, pas bon. En fait, là ouais. Là, je voulais les deux cristals dans le shield. On va faire avec ce qu'on a. Aide-nous à tout défoncer, voilà. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui? C'est Ion Intruder. Soit. Allez, de toute façon le cloak il est réservé évidemment pour le bridge s'il est encore là. Et un intruder qui savate mon eau de c'est du plaisir. Je rêve ou j'ai encore fait cette connerie? J'ai fait cette connerie. Ah mais non mais ils sont seuls de toute façon, donc la connerie c'était ça et pas autrement. Ok, le missile est down. Du coup, c'est beaucoup de plaisir. On va aider nos poteaux. What? Vraiment pour assurer le coup. On est d'accord que le Reaper Drone ne fait jamais de dégâts. Oui, le Reaper Drone est juste une victime. Ah oui, on résiste au ion. Je viens de voir ça, le Ion Intruder, on s'en branle aussi. Putain, on se branle de tout. Alors que 67 scrap. C'est vraiment incroyable. On se branle de tout, on est des fous. Bien sûr. Ah, j'avoue, ah, c'est dommage. On aurait pu emmener l'Intruder en familier. C'était très drôle. Ah, c'est trop violent en fait, hein. Double ion, double reversion, c'est tellement puissant. Plasma, enfin oui, plasma, EMP plutôt, rien à foutre.
Young Intruder, rien à foutre. Yon, rien à foutre. C'est quand même pas si cher que ça pour 90 balles. Hein. Alors. Le Mind Control 3 est glamour, mais je pense que quoi qu'il arrive, là on veut un max, on veut être autonome un max. Et au pire, on pourrait mettre le Mind Control 3, mais qui ne servait que sur une phase. Cloaking 3 qui peut servir en première phase en vrai. Buffer esquive. 45. Alors c'est quoi la bonne technique là? On va quand même dans les shields. Ou est-ce qu'on essaie tout de suite d'avoir la mettre bien? Sans oublier qu'il y a le cloak, alors il faut bien timer les lockdowns. Oui, les shields, c'est très violent et il faut les ramener. Ouais, on va faire les shields et ensuite, ça sera anecdotique. On n'est pas obligé de tous les tuer phase 1 aussi, bien sûr. Dans le cloak, on pourrait aller dans le cloak. TP avant le cloak, mais ça n'a pas marché tout à l'heure. À moins que j'ai loupé une subtilité pour TP dans le cloak. Vous savez que c'est l'heure de la pub. Calmez-vous, on va pas faire de pub. Totalement l'heure de la pub. Alors. Ok. Parce que là j'ai mis pause, on peut pas faire pause plus tôt que ça. Non et puis en plus, ça marchera pas. Ça marchait peut-être à l'ancienne. Et tout le monde dit go, go pub. S'il y a pub, il y a Panini chez le boulanger. Non, on y va cash. Des bisous, Pastis. Et évidemment que ça marche pas. Ok. The Hacking, donc. Je peux le laisser 1, je pense, le TP. Ouais, non, on va quand même l'assurer. Et ce qui est génial dans cette situation, c'est qu'on va pouvoir mind control le pilote. Et là, il n'y aura pas d'embrouille, il sera vraiment en train de tabasser son truc. Et personne ne sera là pour le contest. Pourquoi j'ai pas visé le missile, je me déteste. C'est pas grave. Je me déteste sur ce coup-là.
Non, mais qu'est-ce que je fais? Attends, oh là là. On se démane. On se démane. Ah oui, j'ai encore me tapé des missiles. Grave erreur du joueur français. Ça va. On va sortir de ce merdier. On temporise juste le temps. Les armes se chargent. J'ai cloaking à nouveau. Oh, la belle prise. Autoritaire. On se prend pas la tête. Ah, Lester, merci. Merci Pictors qui est subprime il y a 12 minutes. Jamais vu. Mon excuse. Très bien. Très bien, très bien. Et on a 60. En vrai, il y a le drone aussi, donc dans la... Traditionnellement, on met les portes aussi. On aime bien bourrer les portes. J'ai personne dans les portes, en plus, elles sont pas... Mais je pense que le Mind Control 3, c'est tellement marrant, tellement marrant. Sinon, le moteur, ouais. Le problème, c'est que le Mind Control 3, c'est phase 2. Hein. Phase 3, on n'aura plus besoin. Bon, allez, on est là pour le fun. Du fun en bar, bordel. Dans la théorie, je l'attends là. Hein. Quoique, si je le poursuis et qu'il décide d'aller là, j'ai peut-être le repair après. Et donc, pour le score, c'est incroyable. Non, mais il ira toujours. Il backdashera tout le temps sur la base, de toute façon. Non, il n'y a jamais d'ASB contre le dernier boss. Je peux plus écrire The Machine en majuscule. Merde. Terrible. On peut mettre une raison maintenant. On peut mettre une raison dans le bas du timeout comme dans. Comme sur IRC à l'ancienne. Je savais pas. Ni nanou. Ni nanou. Ni nanou. Ni nouna. Bon, on va l'attendre. Quoi, ça peut arriver à SB contre le dernier boss? Vous me mettez le doute. Wait, donc. Cette partie qui dure 5 heures? Non, honnêtement. C'est une partie rapide. On a aussi le problème du drone qu'on veut régler. Beaucoup de choses. Mais il n'y a plus de cloaking. On va faire ce qu'on sait faire de mieux. Ok. Pourquoi vous êtes autant? Qu'est-ce qui s'est passé? Tordu, hein.
Allez, si on arrive à... J'espère qu'il y a un burst qui a touché le missile. Le but là, c'est de faire tomber le boarding drone et de faire tomber les missiles. Nice. Very nice. Très bien. Est-ce que je mets le cloak 2? Non, bah non, le mind est down. Non, on va attendre. Je pense que je peux le mettre maintenant. J'espère que je vais pas le mettre trop tard. Go. Trop tôt. Non, c'est bon. C'est plutôt pas mal même. J'ai pas lock. Ouais, vous me l'avez dit en plus. Y a pas de cloak, c'est pas grave. On peut. Ils sont 4? Ils sont 3? Ça passe en vrai. Ah non, fallait attendre. Ah, fallait tellement attendre. Oh, je fais n'importe quoi. Ah oui, parce que là, la medbay. Mais la medbay, je peux la défoncer. Ne l'oublions jamais. Donc, qu'est-ce que je veux remplacer? Je veux remplacer. On va attendre un peu en fait. Ok, le mind control qui pose problème. En vrai. Ah non, le shield il est pas assez. J'aimerais faire un massacre au burst laser, mais c'est pas assez. Le robot dans le mind control, il est inactif, on s'en fout du robot dans le mind control. En fait, le mouvement que j'ai fait pour faire tomber le missile et mettre deux pikes dans les drones, c'était exactement pour que ce robot soit inactif. Puis tout à l'heure, il tape rien. Il a commencé à taper, mais là, il tape plus. Oui, il tape pas. Donc ça va. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'on s'en fout. Mais genre, vénère. Parce que on peut attendre la phase 3 largement pour gérer tout le merdier. Donc là, qu'est-ce que je tire? Oui, je peux tirer la medbay en effet. Comme ça, ça va les occuper un petit peu. Oula, attention à pas tout tuer quand même. Ça, voilà. Ça fait pas trop de mal et ça envoie un message. Mais j'ai jamais touché à medbay. C'est pas grave, on les emmerde. Donc ça se termine. Ouais non, c'est de la merde ce que je fais. Quoique. Ouais non. Useless as fuck. Ils vont s'en aller avant que je puisse les tuer. Ouais, ça va s'arrêter avant là le boarding. Enfin le lockdown. Allez, on y met du sien. Ouais, c'est pas mal. Il y a l'autre qui arrive, mais on est encore en surnombre. Donc ça se trouve celui-là tombe aussi. Non, il tombe pas. Bravo à lui. Ok, est-ce qu'il y a un lockdown qui revient? Non. Je pense qu'on termine le fight, on s'en va. On s'en va. Ils sont 3. C'est bien. Power Surge Inc. Clocking va être en retard par contre. Ça devrait le faire. Et allez, on touche un maximum de ça là, pour le zizien. Les long range scanners. Donc, le dernier boss peut en effet dropper une augmentation. Long range scanners qui nous sont inutiles. Ok. Incroyable. Ben, ça va être tranquillou, hein, cette histoire. Ah oui, il faut s'occuper de cette petite brèche tout de même.
Na ni 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 na ni na na. Ah, et c'est là où il y avait le choix de est-ce qu'on met... Non mais en vrai c'est rigolo de mettre la small bomb pour essayer de tabasser le pilotage au plus vite. Mais la réalité c'est que... là en une passe, non peut-être deux passes, on fait tomber le Zoltan Shield. Non je pense que je dois... Je me demande si c'est pas bien de mettre la bombe quand même. Mais ensuite, on n'aura plus le dommage monstrueux qui nous permettrait de terminer le combat en deux frames. Donc je pense que je vais quand même rester sur les pipe beams. Ok. Bah très bien. Je pense qu'on n'a plus besoin de la TP2 vu qu'on va arriver son 3. Et on sait quoi faire. On a besoin du mind control à 1. Donc en fait, on n'est même plus dépendant de la batterie la là. Boule magique. C'est beaucoup de plaisir. Merci The Sticky 78 pour le subprime. Bienvenue. Ok. Des mind control. Et D'accord. Ah non mais je vais tuer les deux là. Non c'est bon. J'en tue qu'un. Ok nickel. J'en tue qu'un, il n'y a plus de pilote. Alors, très bien. Donc évidemment, dans un premier temps, c'est juste faire tomber là, cette merde. Paglop. Ok. Allez. Ça va. C'est bon ? C'est bon. Oh là là, oh le bug de la bite. Bah oui, non, enfin pas le bug, mais on se comprend quoi, c'est de la merde. Ce jeu, c'est de la merde des fois. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Non, non, mais laissez-le réparer son shield, je pense que c'est important pour lui. Oh là là, Mamet Bay. Tout seul, hein. Je pense que ça sert à raison d'être. Ça a raison d'être, du coup. On démine control. Ah, c'est les vacances, hein. Les vacances de l'amour. Vous allez mourir. C'est terrible. Laissez-moi vous aider. Je les tuerai pas. Je vais vous sauver les amis. Préparez la mettre bien. C'est beau.
Il s'est équipé. Il est passé en mode IA quand même lors du dernier dixième de seconde de ce combat. Tellement magique. Bravo Ruby Chiot avec Crystal Med, boule de cristal, cristalline. Nadia, Robo Chiot, Lux, Vulvizar et Mabit. C'était dur. C'était vraiment une partie compliquée. J'ai vraiment fait appel à mon skill ultime pour y arriver. Si Naïma Zola pourrait 5000 euros. Maintenant le stealth C. Eh oui. Le score. Oh. Allez, piffez le score. Piffez-moi un petit score, le chat. 6200, 6226. Ah ouais, vous êtes fous. La partie était excellente, mais bon. Ensuite, c'est vrai que ça a été que de l'ATP, vu que le vaisseau a l'ATP dès le début. Mais on n'a pas eu de stealth. Non, de scrap recovery arm. Donc on n'a pas fait. On n'a pas fait tant de scrap que ça. On n'a pas eu énormément de double récompense. Mais on a fait des drops de partout d'armes un petit peu dégueulasses. Oh là là, il y a trop de pronostics, ça sert à rien. Compte sur vous, faut qu'on fasse un script pour ça. Allez! Eh ben non, vous voyez, 5599. Vous avez tous craqué vos slibards. Est-ce que ça suffit pour Ruby Chiot? RNB de rue. Il fait mieux que RNB de rue avec 5599, mais force est de constater, les deux retry à 30. Qui fait moins bien que la JVTV, l'Intel iCore 9, le mode relax, la basse Normandie et la lucidité. Allez, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Il est 3h du matin tout de même. Des bisous YouTube. C'était une partie rigolote, paisible. Mais un post blas. Abonne-toi, on est presque 100 000. On est combien sur YouTube? Moi aussi j'ai envie d'avoir mon trophée nul et de le mettre dans mon cabinet. Ah mais non, je suis con, j'ai mon truc nul. Qui affiche plein de trucs nuls. C'est où? Ah, on est 97 320. Putain. Incroyable. Des bisous YouTube. A bientôt pour la vidéo dégustation des 100 000.